Votre Majesté, mes collègues anciens, je suis choqué d'entendre que moi, Ichie Madoka, devrais me mettre là et répondre aux questions d'une affaire, une affaire qui provient de cette pauvre fille ici. Bien, je peux répondre, mais elle ne peut pas être là pendant que je suis en train de répondre. Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien ici. Où dans ce monde vous avez entendu que la plaignante va rester dehors pendant qu'on tranche sur son affaire? La femme doit dire ce qu'elle veut dire devant Ichie Madoka. Laissez-le se défendre. De quoi parlons-nous? Ichie, donc c'est toi la personne qui est en train de donner à cette pauvre fille le courage de m'insulter? Donc tu ne vois rien de mal au fait qu'elle soit là pendant que je réponds aux questions? Ichie Madoka, je n'y vois rien de mal, sauf si tu as quelque chose à cacher. Ou c'est une affaire, quand on mentionne certaines choses, la vieille femme va commencer à se trembler. De quoi as-tu peur? Laisse-la dire ce qu'elle veut dire. Hey. Oui. Ichie, laisse-moi te conseiller. Laisse-moi te conseiller pour que tu ne sois pas mordu par un serpent qui était en train d'attendre une autre personne. Hein? Votre Majesté, Ono, vous avez entendu ça? Un serpent quoi? Ça c'est une menace. Ce n'est pas une menace. Ça c'est une menace. Je ne fais que ça c'est une menace. Ce n'est pas une menace. Calmez-vous. Désolé, Votre Majesté. Vous tous, vous m'avez déçu. Désolé, Votre Majesté. Le dessin que Sire est en train de faire n'a pas encore été vu dans ce palais. Étant des anciens matures et les membres du cabinet, vous êtes censé être capable de débattre de ces sujets délicats de manière appropriée, au lieu de commencer de s'accuser l'un et l'autre, abandonnant ainsi les sujets principaux. Voilà comment vous vous attaquez entre vous. Pas une sonde. Raconte-moi ta version de fait. Merci, Votre Majesté. Hier, quand je revenais du marché, en revenant, j'avais croisé une amie qui avait dit qu'elle avait vu Ichie Madoka en train de travailler dans les terrains de mon mari. Et quand je me suis rendue là-bas, à ma grande surprise, tout était propre, il n'y avait pas de l'herbe. Votre Majesté, quand les choses allaient mal entre moi et les enfants, j'avais utilisé ces terrains pour emprunter de l'argent chez lui. Et après un moment, j'avais payé tout ce que je lui devais. Je ne dois rien à Ichie Madoka, même pas un centime. Ichie Madoka, oui. Tu l'as entendu. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Ono, tu m'as toujours étonné. Vous me connaissez tous. Je suis un homme véridique. Je ne raconte pas de mensonges. Je suis un homme digne. Vous l'avez entendu de sa bouche? Elle a utilisé ses terrains pour emprunter de l'argent auprès de moi. Et l'accord était que si elle n'arrive pas à me payer mon argent, je récupère ses terrains. Et c'est ce qui a été fait. Ichie, tu mens. J'avais payé tout ce que je t'ai devais. Vas-tu te taire? Ne me coupe pas la parole. Je suis en train de parler. Madoka. Votre Majesté. Apaise-toi. D'accord. Ça va. D'accord. Moi, je suis né. Ne t'inquiète pas. Une fois que tu sais que tu te tiens sur le chemin de la vérité, la justice ne te sera pas refusée. Hein? Ton terrain te sera retourné. Hein? Wainsonde. Votre Majesté. Nous avons tout entendu. Les anciens, il vous faudra maintenant aller mener des enquêtes. Et je prie, j'espère que nous puissions trouver une conclusion juste et équitable. Merci beaucoup, Votre Majesté. Merci, les anciens. Amadi, c'est devenu une tradition pour toi tout le matin quand tu te lèves de partir de la maison sans nous laisser même un franc. Amadi, pourquoi tu agis ainsi? Il n'y a pas de nourriture, pas de l'eau potable, rien du tout.
Ça veut dire quoi ce que tu fais, hein, Amadi? Si tu étais aussi active comme les autres femmes que je connais, ce à quoi tu aurais répondu en tant que femme est une compagne et non une ennemie. Parce que c'est exactement ce que tu es. Tu es mon ennemi. Tu cherches toujours ma chute, mon échec. Tu cherches toujours quoi dire pour me blâmer, pour dire que c'est de ma faute. Toi et ce vaurien que tu appelles fils... Bamba. Amadi, si tu ne mentionnes pas le nom de Massi dans cette maison, qu'est-ce qui va arriver? On dirait que c'est lui qui était la cause de ton manque d'argent. Amadi, arrête de l'ignorer. Conjugue tes efforts et gagne de l'argent comme tout homme. Oui. Bien, je n'ai pas ton temps maintenant. Garde ces insultes pour mes ennemis. Elles sont pour mes ennemis. Après tout, c'est bien écrit dans la Bible que tu seras ma compagne. Mais toi, qui es-tu? Tu es plutôt ma compagne d'échec. C'est ce que tu es, toi. C'est aussi écrit dans la Bible qu'un homme qui ne peut pas prendre soin de ses siens est plus qu'un infidèle. Amadi, tu es plus qu'un infidèle. Oh, je vois. Maintenant, tu te caches sous les Écritures pour m'insulter. Tu es pire qu'un infidèle, Amadi. Toi. Amadi, ne me touche pas. N'ose pas t'approcher de moi. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Dieu dit, ne touchez pas à mes prophètes et ne faites point du mal à mes oints. Ne touche pas mon oeil. Oui. Reviens, où est-ce que tu vas? Reviens me confronter. Ne touche pas mon oeil et ne fais pas de mal à mon prophète, n'est-ce pas? C'est ce que tu connais. Il est aussi écrit dans la Bible que depuis le temps de Jean-Baptiste, les enfants de Dieu et le royaume de Dieu sont forcés. Et ce ne sont que seuls les violents qui s'en emparent. C'est tout ce que tu sais, Amadi. Ok, reviens ici maintenant pour me dire que tu connais la Bible. Tu sais citer la Bible avec ta bouche. Moi, je te dirais que je sais citer la Bible avec mes mains. Je citerai la Bible avec mes pieds. Parce que tu es une idiote. Tu penses que tu connais la Bible? Ok, je te dirai aussi que la Bible, les Écritures ont des couleurs. Si tu reviens ici, je te refaçonnerai. Tu refaçonnerai avec beaucoup de couleurs. Tu es une imbécile. Tu parles encore. Tu veux ta bouche. Reviens ici. Mes frères, votre majesté, le problème que nous avons dans cette vie n'est pas les choses cruelles de nos ennemis, mais le silence de nos voisins, anciens, frères, visiteurs, après avoir observé les mauvais actes commis dans la société. Si vous n'allez pas dire la vérité, moi, le roi, Arosike Iruna, le second, je serai du côté de la vérité. Je défendrai la vérité. Je défendrai les démunis. C'est ça ma parole. Wan Sonde. Votre Majesté. Prends courage, car le temps de la vérité vient de sonner. Madoka. Votre Majesté. Pourquoi est-ce que tu te réjouis de larmes d'une veuve sans aucune défense? Votre Majesté, je ne suis pas en train de me réjouir de larmes d'une veuve sans défense. Je ne fais que dire la vérité. Je connais la vérité. J'essayais juste de comprendre. Comment? Je suis au courant que cette femme t'a remboursé cet argent. Non, Votre Majesté, je pense... Madoka. Votre Majesté. À partir d'aujourd'hui, il t'est interdit d'aller à cette terre. Je t'interdis formellement de l'utiliser, car cette terre appartient à cette femme. Votre Majesté. Wansoye. Votre Majesté. Va t'en réjouir. S'il te plaît, va en paix. La terre Merci, t'appartient. Merci, Votre Majesté. Merci. Et toi, Madoka. Votre Majesté. Pour avoir offensé une veuve sans défense et lui avoir nié ses droits, et pour avoir tenté de nous corrompre afin d'obtenir notre soutien, le cabinet siégera et prendra des mesures disciplinaires pour toi. Et au même moment, tu ne vas plus siéger au cabinet. J'ai dit. Igwe.
Frère, comment ça va? Bienvenue, monsieur. Du courage. Merci, monsieur. Attends, s'il te plaît. Allô? Allô? Excuse-moi. Attends. Ogamadi? C'est ça? Ouais, Amadi. C'est mon nom. Je suis Amadi. Tu ne te rappelles pas de moi? Désolé. Vous savez que je rencontre beaucoup de visages chaque jour. Regarde-moi bien. Donc, je ne me souviens pas. Georges, membre de NYC. Ouais, de l'école secondaire de Rwanda. Il y a plusieurs années. Allons-en. Que quelqu'un m'aide. À l'aide. Ah, à l'aide. Aidez-moi. Courage, ça va aller. Georges, c'est toi, Georges? Ouais. Hey, vraiment, c'est toi, Georges? Hey! Agamadi! Hey, c'est toi, ça? C'est hey. Moi! Attends. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Voici l'un de mes bâtiments. Hey! 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 Georges! Donc, c'est toi qui possèdes ici? Ouais. Tu n'es que Dieu, c'est ce que tu es. Hey, Georges! Georges! Hey! Oh mon Dieu, je n'avais jamais pensé te voir encore dans ma vie. Plus yeah. Jamais dans ma vie. Te voir encore? Le gars m'a dit, hein? Mais voici, hey, c'est moi. Georges! Georges! Oui? Donc, c'est toi? Ouais. Hey. Oh mon Dieu, tu es très beau. Hein? Regarde, m'a dit. Tu es vraiment en forme. Oh Dieu, quelle joie de te rencontrer aujourd'hui. Regarde, m'a dit. Un homme gentil, un bon homme. Je ne faisais que mon Regarde, m'a dit. Je vais être très honnête avec toi. Tu as contribué à ma réussite aujourd'hui. Ah oui. Si je ne t'ai pas passé voir ma soeur ce jour-là à l'hôpital, j'avais vite conclu que tu es occupé avec tes activités de l'extérieur. Non. Si c'était le cas, je t'aurais fait savoir. Bien, merci à la nature qui avait envoyé un bon samaritain. Pour me sauver ce jour-là. En parlant de ça d'ailleurs, je te dois une fière chandelle pour avoir été près de moi et pour avoir lavé toutes mes plaies à l'hôpital. Moi, je n'avais rien fait. Une des infirmières m'avait dit en secret que un monsieur Amadi, monsieur Amadi, a payé toutes vos factures. Monsieur Amadi? Oui, monsieur Amadi. Je ne vois pas où. La chose la plus importante maintenant est que tu vas très bien. Mm-hmm. Ok? Je vais mieux maintenant. Georges,
honte, s'il te plaît. Arrête. Monica. Monica. En fait, pour qu'on se revoie aujourd'hui, je pense que c'est divin. Ouais, je dois te dire la vérité. Tu vois, ce matin, j'avais un rendez-vous quelque part d'autre. Mais je me suis dit non, je devrais venir au chantier. Donc si j'étais allé là où je voulais, tu vois, raté cette occasion. Tu vois, tu vois. Donc c'est vrai. Hey, regarde, m'a dit. Dieu merci, je remercie Dieu. Tu sais, un adage dit, un bienfait n'est jamais perdu. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oga m'a dit, je crois que tu peux conduire. Oui? Ah, appelle-moi un ancien bois de chauffage. Je suis un chauffeur expert. Oh, je vois, tu es tombé de la façon dont on s'était vu. Je conduisais des titans avant qu'on ne s'était vu le moment. Hein? C'était que le déséquilibre de la vie. C'est bien. Qui m'avait mis dans cette situation lorsque tu servais là-bas. D'accord. Ouais, je peux conduire des titans, des gros titans et aussi ah bon? Des taxis. D'accord. Ouais. Oga m'a dit. Oui, monsieur. Je veux te donner un bus. Ouais, tu vas l'utiliser en location-vente. Hey. D'autres viendront, mais ça dépendra de comment tu vas gérer celui-ci. Hey, je le gérerai bien. Hey, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. En vérité, je suis fou de joie. Je sais. Je m'assurerai que je me comporte bien. Et tu seras même content de la façon dont j'entretiendrai le véhicule. Je ne te décevrai pas. Je te fais confiance. Je ne te décevrai jamais. Quel bonheur. Je te fais confiance. Oh, Dieu, je te fais confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toi qui l'as commencé. Je ne vais jamais l'oublier. C'est ça, ma vie. C'est toi qui l'as commencé. Je sais. En fait, c'est juste un petit remboursement. Crois-moi, un petit. La récompense principale est à venir. Dieu merci. Mais je veux que tu gères ça très bien. Très, très bien. Oui, ok? Gère ça bien. Comme ça, tu peux l'utiliser pour prendre soin de ta famille. Et aider aussi les gens autour de toi. Je ne te décevrai pas. Hein? Crois-moi, je n'ai pas changé. Je suis toujours Amadi que tu connais. Je n'ai pas changé. Je suivrai toutes tes conditions que tu poseras. Hein? Je ne vais pas te décevoir. Et crois-moi, je t'assure ça. Je sais cela. Je sais cela. Merci. Je sais que tu ne le feras pas. Je suis certain. Tu es un bon homme. Merci, je suis heureux qu'on s'est rencontré à nouveau. Je suis content aussi. Je suis content. En fait, je veux qu'on rentre chez moi afin que tu rencontres ma famille. J'irai aussi chez toi pour rencontrer ta famille. Ta maison? Oh, merci beaucoup. Donne-moi, s'il vous plaît, donne-moi juste quelques minutes. Je vais me changer et puis on va... D'accord. Une minute. Prends ton temps. Ouais, juste une minute. D'accord. Votre Majesté, honnêtement, je ne crois pas avoir les mots pour exprimer combien je suis désolé. Mais j'aimerais que vous puissiez trouver de la place dans votre cœur pour me pardonner, car je regrette tout ce que je fais. Maintenant, je réalise que mes actes posé contre cette innocente veuve n'était pas bon. Mes actes étaient motivés par... Madouka, votre majesté. Je suis content que tu aies repris tes sens. Merci, votre majesté. Tu vois, la méchanceté ne paye pas. C'est ce que nous avons tous découvert. Faire du mal ou victimiser des personnes vulnérables est un crime contre les dieux. Tu vois, notre communauté est renommée pour la paix et la justice. Je suis content puisque tu t'es excusé.
Et j'enverrai les instructions au cabinet. Ils en tiendront compte. Votre Majesté, je vous promets que je ne vais plus vous décevoir. Dorénavant, je ferai toujours ce qui est juste. Merci. Une fois quitté ce palais, j'irai directement voir Oua pour lui demander pardon. Je vais alors convoquer Onohu immédiatement. Mais rappelle-toi ce que tu as dit. Je m'en rappellerai. Devant le roi. Oui, mon roi. C'est vrai? Oui, votre majesté. Ok, tu vois, le seul chemin vers le bonheur éternel est de vivre en paix avec tout le monde. Ok, tu peux aller votre chez Wainsonde. Merci beaucoup. Je m'en vais directement chez elle. Je t'en prie. Et lui demander pardon. Fais-le. Igwe. Mon fils, maman. Es-tu prêt pour l'école? Oui, maman. Ça c'est mon fils. Où est ton père? Daniel. Oh. Oh, chérie. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Tu vas bien? Tu as l'air exceptionnel. Merci, mon bébé, ma chérie. Ok, l'argent que tu as demandé, je l'ai laissé dans la chambre et je suis prêt pour partir. D'accord, bonne journée, chérie. Merci. Je le ferai. Bien. Assure-toi de le faire manger à son retour, ok? D'accord, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Fiston, allons-y. Bye bye. Applique-toi bien à l'école, ok? T'en fais pas, maman. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu ne mépriseras pas les jours de ta petite début. Tu ne mépriseras pas les jours de ta petite début. Tu ne mépriseras pas les jours de ta petite début. Hé, hey, toi, portail, respecte-moi. Hein? Respecte-moi aujourd'hui. Respecte-moi aujourd'hui. Hein? Tu ne mépriseras pas les jours de ta petite début. Ouais. Je dois faire rentrer mon véhicule. Donc, tu dois me respecter. Reste là-bas. Tu ne mépriseras pas les jours de tes petits débuts. Ouais. Damas s'est accompli à Capernaüm. Qui sont ceux-là qui ont dit qu'Amadi ne réussirait pas dans la vie? Qu'ils viennent voir. C'est une surprise pour mes ennemis. Mes ennemis de progrès. Ma fille, Dieu l'a fait. Amadi. Nous n'allons plus nous nourrir difficilement. Dieu nous a fait du bien. Dieu l'a fait pour nous. Ma fille, ouais. Tu connais mon ami là, non? Mon meilleur ami Oga. Tu connais ce garçon? Ce garçon en service national avant. Georges, mon patron Georges. Demande, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a acheté ce bus. Tu as changé mon histoire, oh! Il a changé ton histoire. C'est une surprise pour ceux qui disent que je ne réussirai pas. Qui ont dit que Amadi a été radié? Amadi n'a pas été rayé de la carte. Amadi n'a pas été rayé de la carte. Amadi n'allait pas réussir. Amadi, voyez ça. Amadi n'a pas été radié. Oui, papa. Amadi n'a pas été radié. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Tout le temps. Il a fait pour toi. À ceux qui se sont moqués de moi.
Au fait, venez, je vais ouvrir pour vous. Entrez. Amadi, ne fais pas ça. Laissez-moi ouvrir pour mes ennemis. Que mes ennemis vivent longtemps pour voir ce que deviendra Amadi. Que mes ennemis vivent longtemps pour voir ce que je deviendrai. Dieu nous a prouvé combien il est bon. Amadi, Dieu est fidèle. Écoutez, très attentivement. Le climatiseur, oh, même les sous-glaçons aussi. Je veux quelqu'un qui puisse me laver ce véhicule. C'est moi, je vais commencer à les laver. C'est toi qui veux le laver. Oh, je vais commencer à les laver tout le jour. Je dis que mes ennemis vivent longtemps. Que mes ennemis vivent longtemps. Dieu nous a fait du bien. Ouais. Dieu est bon. Il a fait pour nous. Chante que mes ennemis écoutent et voient mon progrès. Amadi, le boss. Écoute, le boss. Je t'ai dit quelque chose. Je t'amènerai à tous les shop right et même au shop left. C'est très doux, hein. Si tu prends ça avec de la sécurité, tu vas comprendre. Je suis un témoin. Bonjour, monsieur. Ça va. Avec moi aussi, tu vas revenir. Oui, d'accord, je reviens pas, monsieur. Ok. Merci, bye bye. Ma chérie, mon bébé, mon cœur. Tu vois, malgré les difficultés que tout le monde traverse dans ce pays, je veux te dire que je prendrai soin de toi. Hein? Je ne veux pas du tout que tu dis non. Dis-moi seulement oui et laisse-moi t'épouser et je serai bien. Et toi aussi, tu seras bien. Ouais. Amadi, s'il te plaît. Hein? Tu me demandes une grande chose. Hein? Oui. Non seulement tu es un membre de mon église et nous sommes sur la même avenue et je sais très bien que tu es un homme marié. Ah non. Ce ne sera pas possible, jamais. Je ne peux pas le faire. S'il te plaît, ne parle pas de mariage dans cette question. Après tout, j'ai demandé à ma femme de me suivre au village avec mes enfants. Ils ont refusé. Mais je les tue. Je ne vais pas les tuer. Donc laisse-moi former une autre famille ici. Une famille ici dans le village et ceux-là seront en ville. Après tout, j'ai même accepté de t'épouser avec ton enfant et nous formerons une famille. Hein? Et quand tu commenceras à me donner de jolis enfants, des garçons et filles, à partir de tes entrailles, oh mon Dieu, je serai épanoui dans la vie. Ouais, donc dis seulement oui, c'est tout ce que je veux. Quand tu dis oui, oh je t'épouserai, je ferai tout pour toi. Hein? Oh, Amadi, dis-moi seulement oui, je t'aime. Nous nous sentons bien tels que nous sommes. Hein? Oui. Sachant que tu es un homme marié, je veux accepter d'épouser un homme comme toi. Je dois vraiment être folle pour le faire. Écoute, laisse-moi te dire, tu vois, c'est pourquoi je t'ai dit de bien lire la Bible. Laisse-moi te dire, tu vois ce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance? David et son fils Salomon. N'étaient-ils pas des polygames? Ils avaient épousé beaucoup de femmes et même son fils avait beaucoup de concubines qu'il avait ajoutées aux femmes qu'il avait. Et ce n'était pas suffisant. Il continuait à avoir de petites amies dans les différents pays. Mais Dieu ne l'a pas puni. Donc c'est moi seul, Amadi, que Dieu punira quand j'épouse une seconde femme. Hein? Amadi. Non, dis-moi, quoi, est-il un péché? Où est-ce que tu puises ces genres de pensées? De la Bible. Et tu t'appelles un chrétien? Bien sûr, tu sais que je suis un ancien de l'église très proche de la chair. Ok, laisse-moi te rappeler. Tout ce dont tu fais allusion appartient au passé. Tout ce dont tu me parles. Hein? Et maintenant, nous sommes au présent. Le temps du Christ. Le Nouveau Testament. Amadi, laisse-moi te dire ceci. Jamais, c'est impossible avec moi. Je ne peux pas t'épouser. C'est le Nouveau
Testament, la nouvelle ère de Christ que je veux qu'on goûte. Hein? Goûtons le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, oui, j'accepte que c'est du passé. C'est le temps passé. Goûtons ce mariage. Hein? Goûte-moi. Oublie que aussi comme ça, je suis une machine à sous. J'ai de l'argent. J'élève des porcs. J'élève des chèvres. J'ai même un champ d'igname, un champ de manioc. C'est ce que je veux que tu considères. C'est ce que je veux que tu observes. Aie une vision. Si tu regardes là où je suis arrivé maintenant, tu m'accepteras. Je t'ai même demandé de me laisser louer la boutique là pour toi pour que tu l'ajoutes à celle-ci. On vendra des viandes sauvages là-bas. Et ici, toi, tu vas vendre de la billet. T'achèteras du réfrigérateur. Et il y aura du groupe électrogène. Il y aura aussi du congélateur et tout marchera bien. Je viens d'ouvrir le shop ce matin. Et je n'ai encore rien fait. Tu viens ici m'embrouiller. Je dois faire mon travail. Oh, ça, c'est très bien. Il faut faire l'inventaire de ta vie. Et après, tu me reviens. Ok, tu merci. Me comprends? Oh, chérie. Vas-y, laisse-moi tranquille. Ah, ça va. Ah, il faut considérer ma demande. Ah, s'il te plaît, d'accord. Merci, ah, je t'en vas-y. Prie. Oh, oh. Donc, les gens ne savent plus vivre, hein? Hena, les gens de ce village. Juste parce que j'ai ces petits shops que je ne peux plus me reposer, hein? Monica, est-ce à dire que tu me défies ou bien tu n'as pas lu mon message? Quel jeu es-tu en train de faire? Amadé, j'avais vu ton message, mais sans effet que cela... Oh, tu as reçu mon message. Donc, tu as reçu mon message et tu n'as pas répondu. Mais n'as-tu dit quoi? N'as-tu pas lu le message qui dit que soit tu perds pour la boutique ou tu me laisses épouser? Et j'avais accepté de le payer. Tu as accepté de payer? Oui. Oh. D'ailleurs, j'attends la femme d'Akao. Elle me donne aussi quelque chose. Qu'elle apporte ce qu'elle a, comme ça je vais ajouter ce que j'ai ici et je vais récupérer son argent. Monica, tu es une idiote. Tu es une femme très stupide. Je vais te montrer ce qu'il veut dire. Que si un homme est affamé, il est aussi en colère. Un homme affamé est un homme énervé. Ne me pousse pas à élever ma voix. Mais Amadi, pourquoi es-tu fâché, non? Amadi, cède-moi le passage. Amadi, laisse d'abord. Attention, ne m'énerve pas. S'il te plaît, Amadi. M'énerve pas. S'il te plaît. Je t'ai payé ton argent, je t'ai déjà promis. Tu paieras qui? Payé, tu vas me payer. Amadi, sois patient. Cède-moi le passage. Amadi, je m'occuperai de toi. Laisse-moi d'abord. Cède-moi le passage. Cède-moi le passage. S'il te plaît, laisse-moi passer. Je t'ai payé ton argent. Amadi, tu me prends trop à la légère. Tu abuses de ma gentillesse envers toi. Non. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ce qui m'énerve plus est que tu as refusé ma demande. Tu dis que je vais te payer, non? Pourquoi tu es comme ça, Amadi? Tu paieras quand tu iras au ciel. Amadi, tu commences à exagérer, oh. N'importe quoi. C'est parce que je te supplie. Tu as supplié qui? Pourquoi es-tu si méchant, non? Je vais fermer cette boutique. Je ne veux pas que tu viennes venir ici pour ça que je me bats avec une femme. J'ai les yeux très rouges maintenant. Je te supplie, Amadi. S'il te plaît, reste. Amadi, s'il te plaît, arrête de faire ça. Non? Monica. Amadi, laisse. S'il te plaît. Rassurer ma famille. Hein, donc tu n'avais pas pensé à ça avant de refuser ma demande. Quitte ici, laisse-moi fermer Amadi, la boutique. S'il te plaît, arrête. Amadi, arrête de faire ça. Je vais appeler Wako pour qu'il sache que je suis sérieux. Ce que tu fais là maintenant, je ne comprends pas ta méchanceté envers moi. Wako, je suis à l'endroit là où j'ai loué la boutique pour la femme idiote là. Apporte les clés. Apporte les clés. Je vais fermer cette boutique. Je vais Amadi, la fermer une fois de bon. Santé. Attends l'arrivée du Wako. Je Amadi. Vais fermer cette boutique une fois de bon. Amadi, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Hein? Tu ne sais pas. Ce que tu fais là, c'est la méchanceté. C'est pas de la méchanceté. Toute chose dépend de toi. Tu fais ça parce que je rêve de t'épouser. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas bien, Amadi. Quand la femme décide.
ne m'énerve pas. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Ce n'est pas gentil ce que tu me poses, je te dis. Quelle soupe? Tu vas le payer un jour, je te dis. Je vais fermer ma porte. Mais qu'est-ce que tu me fais? Tu le payeras un jour. C'est ta pension pour toi quelque part. Mais moi, je vais fermer ma porte. Monica, donne-moi la chance de t'épouser. Tu as refusé. Tu as refusé de me la donner. Amadi, tu es méchant. Tu es très méchante. Tu es vraiment écoute, méchant, Amadi. Tu vas te juger dans l'enfer. Amadi, tu je serai au seul pour te regarder dans l'enfer. Hey. Tu es méchante. Monica, tu es très Amadi, méchante. Tu es une femme très méchante. Amadi. Tu refuses ma demande. Puisque tu as refusé, donne-moi ça. Attends, j'arrive. Je vais l'appeler encore. C'est quoi ça? S'il te plaît, Amadi. Qui est cette boutique? Qui est cette boutique maintenant? Ouvre Monica, qui est cette boutique maintenant? Arrête, mon je t'avais donné assez de temps pour réfléchir. Mais tu as refusé. Je vois que tu es têtu. Je vais appeler un autre. Allô, tu es où? Eh, tu m'attends? Viens à l'endroit où j'ai loué la boutique pour la femme là. S'il te plaît. Eh, il a une plaie qui me gangrène jusqu'aux os. Tu veux en finir avec? Bonjour. Ah, comment tu vas? Je vais bien. Mm-hmm. Je peux voir que tu es sur le point de sortir. Ouais, comme toi, tu le vois déjà. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas un visage souriant? Maman dit que tu ne prends plus ton petit déjeuner avant de quitter la maison. Pourquoi? C'est ce que votre mère t'a dit, c'est ça? Ah, s'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi parles-tu comme si tu ne savais pas que papa a l'argent? Mon père a de l'argent. C'est pourquoi il ne mange pas ce que nous mangeons ici. Hein? Papa, écoute, je suis ton fils. Hein? Je ne sais pas si tu pourrais me donner un peu d'argent. Au moins, laisse-moi me réjouir comme d'autres garçons de ce village. Il est temps que j'ai l'air cool aussi, tu vois. Écoute, ne regarde pas ce grand pourrier imbécile. Tu vois, ta mère vient de me servir un beau repas très délicieux. Riz, vert et haricots. Tu sais qu'il a de riz vert et aussi de riz rouge. Mais celui-ci, riz, vert et haricots. Va vérifier. Il n'y a même pas un petit repas qui est resté dans mon assiette. Tu peux aller confirmer toi, mère. Oh, papa, l'argent. Toi et moi savons très bien que tu as beaucoup d'argent ici. Hein? Je ne sais pas si tu peux me donner un peu d'argent, hein, papa. Je dois me réjouir comme d'autres garçons de ce village, papa. Oh, papa, tu fais comme si tu étais inutile pour moi, papa. Je te dis vrai. Le tonnerre frappera ta bouche. Je dis, le tonnerre frappera ta sale gueule stupide. Et ta sale gueule sera divisée en deux. Est-ce que tu m'entends? Je dis que le tonnerre frappera ta sale gueule là. Papa, à cause de l'argent, que la foudre s'abatte sur moi. Papa, laisse-moi te dire. Si la foudre me démolit, sache que ta mort est prête. Hein? Papa, laisse-moi te dire. Tu vois cet argent que tu gardes, tu vas mourir et le laisser. Tu vas mourir et le laisser. Donne-moi de l'argent que je me réjouisse aussi, comme d'autres garçons de ce village. Hein, papa? Vas-y. C'est quoi? As-tu oublié que c'est à papa que tu t'adresses? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi te dire. Ce qui m'est arrivé est venu du passé. Il n'y avait pas d'argent à cette époque. Mais maintenant, il y a l'argent. Papa doit me donner de l'argent. Je dois me réjouir comme tous les garçons de ce village. Hein? Que je te donne l'argent que j'ai gagné. T'inquiète pas, je te donnerai l'argent. Je te donnerai. Viens ici. Tu vas me donner l'argent. Dis-moi cet argent, papa. Viens. Imbécile. Idiot. Papa, tu vas me donner de l'argent. Papa, tu vois cet argent. Tu vois cet argent. Papa, tu vois cet argent. À cause de cet argent, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu, papa. C'est quoi ça? Donne-moi l'argent. Donc, parce que tu es devenu adulte. Papa. Tu es maintenant adulte. Papa, laisse-moi te dire. Maman, si Dieu s'est souvenu de toi, pourquoi tu ne veux pas donner l'opportunité à tous ceux qui sont proches de toi d'en bénéficier et de bien respirer? Écoute-toi, femme. Tu deviens plus violente et je pense que ce que je dois faire est de te rétrécir les ailes. Parce que tu as choisi de te battre avec moi au lieu de gérer notre fils. Je préfère mourir que de devenir un soutien pour propager le mal. Hein? Tu refuses de rendre utile les petits garçons dans sa communauté en payant pour lui le frais de Wayek. Cette petite somme que tu peux payer aussi facilement. Attends, je veux comprendre quelque chose. Hein? Un comité d'aide sociale, l'aide en tant que quoi? Comme une organisation Amadi. De charité de la reine Elisabeth ou bien une organisation de... J'ai pas compris. Dis-le-moi, laisse-moi comprendre. Amadi, dans ce cas, laisse-le libre. Laisse-le vivre. Tu l'as battu comme un voleur.
On dirait que tu n'as de compte à rendre à personne. Laisse-moi te dire une chose. Les yeux dessus, ils te voient et ils n'osent tout ce que tu fais à ces garçons. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu es une pimbèche, une virago sociale. Tu es malade, tu es une idiote, imbécile sans fin, un vaurien. C'est ce que tu es. Laisse-moi te rappeler ça. Tu es un animal. Une chèvre, c'est ce que tu es. Tu es où? Et où? Maman, parfois, il est mieux d'utiliser notre langue pour calculer nos dents. Qu'attends-tu d'un homme qui n'arrive même pas à faire scolariser son seul et unique fils? Que le tonnerre te frappe là-bas. Je dis que le tonnerre frappe ta gueule. Quand je te suppliais de me soutenir, qu'est-ce que tu as fait? N'étais-tu pas occupé allant au terrain de football, me disant que tu allais aux entraînements parce que tu voulais devenir comme Ronaldo ou Okocha? Mais tu t'entraînais vraiment? Non! Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu étais occupé sur ce terrain fumant du chanvre indien. Tu étais occupé te promenant, suivant les vauriens comme toi-même. C'est ce que tu faisais inutilement avec ta vie. Les footballeurs que je connais, je sais combien ils gagnent toutes les 5 secondes. Qu'est-ce que tu as gagné de tes entraînements? Rien. Chaque fois que tu viendras ici et me dis « Papa, va me donner de l'argent. Je veux de l'argent. » Donc après avoir souffert et je suis revenu, donc je viendrai te le donner parce que c'est à toi que je dois rendre compte en tant que Oga. Le tonnerre te frappera du ciel. Le tonnerre viendra de la droite et de la gauche pour ça te finir. Papa. Toi, tais-toi. Je ne veux pas que tu te mêles dans ça. Ne te mêle pas dans ça. Laisse-moi faire face à cet idiot. Papa, j'aurais souhaité que cette foudre vienne directement du ciel et voir si elle va m'abattre moi ou toi, le vieux Amadi qui s'est dit être mon père. Si tu mentionnes mon nom ici encore, je viendrai chez toi physiquement. Je me déverserai sur toi physiquement et spirituellement. Ah, parce papa, que... tu n'es pas peur si, de toi, tu ne si feras rien du tout. Qu'est-ce que tu vas faire, Amadi? Tu ne feras rien du tout. Ok, rien ne va se passer. D'accord, attendez, rien ne va se passer. Je sais que rien ne va se passer. S'il ose mentionner mon nom, qu'est-ce que tu vas faire? Il va le dire. Il va citer ton nom. Amadi, tu n'as rien à faire. Tu ne feras rien du tout. N'aie pas peur, maman. N'aie pas peur. Maman, laisse-moi te dire. Rien ne va se passer. Papa. Non, revenez maman. Ici. Revenez ici, vous deux. Je vais utiliser ça pour vous enterrer, vous deux, ici. Je vous emballerai dans ça, vous enterrerez. Idiot. Vous voulez me confronter. Ne vous inquiétez pas, je sais ce qu'il faut faire. On verra bien. Revenez si vous allez voir. Et toi, j'espère que tu ne pleures pas à cause de Sevio. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton problème avec Sevio? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Papa, toi et moi savons que Sevio est une bonne personne. Mais tu les détestes juste comme ça, sans raison. Pourquoi? Oh, maintenant laisse-moi te dire quelque chose. Je ne veux pas que tu mentionnes encore ce nom Sevio dans cette maison. Si tu sais ce qui est bon pour toi, je veux que tu continues à mentionner le nom Daniel. Daniel est le fils de mon patron. Ouais, patron Georges. C'est ce nom que je veux entendre mentionner dans cette maison désormais. Si tu mentionnes encore Sevio, c'est comme signer ton mandat d'exécution. Mais si tu mentionnes Daniel, c'est un mandat de vivre pour toi. Est-ce que tu m'entends? Oh, d'accord, je comprends. Je comprends où tu veux en venir. Je t'ai déjà prévenu. Papa, c'est pas juste. Je t'ai dit de ne plus jamais mentionner Sevio. Je t'ai dit de ne plus mentionner Sevio. Papa, mais viens mentionner ce nom ici. Oh, tu sais quoi? Oh, je sais pourquoi j'ai gardé ça ici. Je vous emballerai tout avec et vous enterrerai ici vivant. Hein? Et toi, tu vois cette corde? Hein? Je l'utiliserai pour attacher tes pieds. Et même dans le monde spirituel, tu ne pourras pas bouger. Toi en particulier, idiote. Tu penses que tu pourras me tuer? Tu ne pourras pas me tuer. Je mourrai quand mon moment arrive. C'est vieux. Que fais-tu ici? Tu devais être à l'école à 7 heures. Grande sœur, maman n'a pas été capable de payer tous mes frais scolaires. J'ai eu peur d'aller à l'école aujourd'hui à cause de ce que le principal avait dit sur nous qui n'avons encore rien payé jusque-là. C'est vieux. Maman est en train de chercher l'argent et moi y compris. C'est vieux, s'il te plaît. Je crois que Dieu
Va nous faire grâce comme ça, nous pourrions te payer le frais facilement. Tu dois aller à l'école aujourd'hui, tout en espérant que ça va marcher, ok? Grande sœur, c'est tout ce que je n'ai fait qu'entendre de vous depuis que je vous ai parlé de tout ça. J'ai besoin d'une motivation active et non d'une consolation, moi. Réalises-tu que maman a tout vendu pour prendre soin de toi et moi? Écoute, toutefois, ce qui est sûr, je ne connais pas la magie qui donne de l'argent aux gens. Ce que je vais te demander, c'est un peu de patience. S'il te plaît. C'est vieux. Tes études sont mes priorités. Ce sont mes plus grands rêves. J'espère que j'ai quelque chose. Quelque chose que je pourrais vendre pour payer tes études. Donc c'est évident que je ne présenterai pas mes examens. Malgré tous mes efforts, tout ça pour rien. Jamais. Reviens, Sévieux. Sévieux, jamais. Jamais ça sera possible. Crois en Dieu. Aie confiance en Dieu. Il le fera pour nous. Calme-toi, maman. Hein? Oh. Maman. Oh. Maman. Je sais quels efforts que tu fournis pour Miss et moi. C'est plus que ton âge. Et je crois que Dieu ne va pas nous abandonner maintenant. Oui. Maman, je vais faire un effort de travailler durement. Je peux aider. C'est ici où tu vas travailler. Tout ce que j'attends de toi, c'est ton sérieux, ton engagement. Tout ce que tu seras en train de faire, fais-le bien. Je suis reconnaissante, monsieur. Oh, c'est bon, c'est bon. Alors, monsieur, vous avez dit, je veux commencer à partir de là. Oui, oui, oui. Ok, d'accord, pas de problème, monsieur, je le ferai. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Désolé, monsieur, j'ai appris que le gouvernement va commencer à nous donner le transport plus le salaire. Est-ce vrai, monsieur? Oh, oui, oui, c'est vrai. Disons que ça viendra progressivement, petit à petit, selon les postes. Pour tout le monde? Bien sûr, pour tout le monde. Oui. Merci. Sauf personne. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Ok, d'accord. Ok, bye bye, monsieur.
Mais comment je veux rentrer à la maison, monsieur? Tu sais, je n'y peux rien. On ne vous a pas encore payé, donc il faut patienter. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Je te dis la vérité. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je ne peux pas t'aider. J'ai quelqu'un qui attend cet argent. Ma famille dépend de moi. Je ne sais pas ce que je vais faire sans cet argent. Donc, tu veux avoir ton transport. C'est ce que tu demandes, hein? Non. Écoute-moi. Rassure-toi juste de bien faire ton travail. Monsieur, je fais toujours très bien mon travail. J'avais bien balayé la nuit et ce matin encore je l'ai fait, monsieur. Pourquoi? Je ne dis pas le contraire. Tout ce que je veux est que tu t'améliores encore davantage. Essaye de te concentrer uniquement sur ton travail. C'est toujours comme ça que je fais ce travail et vous ne m'avez jamais reproché. Pourquoi seulement maintenant que vous voulez me reprocher, monsieur? Tout ce que tu as à faire, c'est de rentrer là-bas et refaire ton travail. Ah. Sinon, tu ne seras pas payé. Ah. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça, s'il vous plaît. Vous je suis sérieux. Ça. Ma famille attend cet argent. Oui, tu fais ton travail et moi également, je fais le mien. Je n'ai pas de choix. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. Si... J'en ai besoin. Tu as besoin d'argent et moi, je veux que le travail soit bien fait. Monsieur, s'il te plaît, je passe le temps. S'il te plaît, je passe le temps. Pas désolé. Rentre faire ton travail. Monica, maman, c'est quoi le problème? Je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne m'avait pas payé. Quoi? Hein? N'avais-tu pas balayé ta portion? Il a dit que je ne l'avais pas bien fait. Hey! Pourquoi non? Hein? Pourquoi a-t-il fait ça? Daniel. Comme tu le vois, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne vais pas à l'école, surtout les lundis et les vendredis. Plus précisément, ces jours où on ne fait pas grand-chose. Waouh! Tu aurais dû me le dire depuis longtemps, non? Je comprends, mais je dois me débrouiller pour éviter des moqueries. Tu sais que ma mère est une marchande, donc je dois l'aider. Il s'en est fallu de peu. Et tu as vraiment de la chance de ne pas du tout être allé à l'académie, Dieu. Sérieusement. Ah, Oga m'a dit, tu es venu à l'heure. Ouais, je vais juste sortir, mais j'attends ma femme. J'espère qu'il n'y a aucun problème, monsieur. Non, juste pour aller voir mes parents. Pour voir tes parents? Ouais. Ah, c'est très bien. C'est toujours une bonne chose de visiter ses parents. Il a une récompense à la fin. Ouais. Mais en réalité, je suis venu pour les documents originaux du bus. Ouais. Comme convenu. Comme c'est convenu, monsieur. Merci, monsieur. Ouais, je sais que tu viendras. Avant de procéder à cela, je dois dire que tu as bien fait pour toi-même. Oh, merci, monsieur. Ouais, tu as payé l'argent du bus en totalité. Oui, tu n'as jamais raté le paiement, pas même une seule fois. Et voilà, tu viens d'acheter une voiture comme ça, Amadi. Ouais, monsieur. Je t'ai dit que ceci est un rêve tant attendu pour moi. Je m'attendais à une occasion comme celle-ci. Elle est finalement apparue. Mais alors, comment attends-tu que je me comporte? Tu as raison. C'est pourquoi j'étais cohérent dans le paiement de l'argent dans le compte que tu m'as donné. Je t'ai dit que je ne l'ai pas te décevoir. Ouais, tu ne m'as pas déçu, hein? Merci, monsieur. Alors, les voici, hein? Cette enveloppe contient les papiers originaux du bus. Merci, monsieur. Tout est pour toi. Finalement. Et
Voici ce chèque. Ouais. C'est l'argent exact que tu as payé dans mon compte pour le bus. Je te le donne en retour. Prends le bus, prends l'argent. Ok. Pour moi? Oui, pour toi. Jésus, incroyable. Monsieur. Oh, non. Amen, amen. Beaucoup. Mais t'as pas besoin de t'agenouiller. Pas ça, lève-toi. Merci. Je ne suis pas Dieu, ne te mets pas à genoux pour moi. Merci, non, ça va, lève-toi. Merci, Oga m'a dit, tu es un bon homme. Hein? Merci, et je t'apprécie. Merci, rappelle-toi monsieur. De ce que je t'ai dit. Hein? S'il te plaît. Continue de faire du bien pour toi-même, pour ta famille et pour ton entourage. Merci, monsieur. Je continuerai à être Amandi que je suis. Je ne changerai pas, peu importe. Je t'apprécie, monsieur. Je t'en prie. Merci, monsieur. De rien. Hey. Maintenant, tu peux boire. D'accord, je peux boire, d'accord. Je vais empocher mon chèque d'abord. Merci, monsieur. Père, tu es silencieux depuis mon arrivée. Que se passe-t-il? Mon prince, pourquoi n'es-tu pas intéressé aux affaires du trône? Il est temps que tu te réveilles et affronte la réalité comme futur roi de ce royaume. Comment peux-tu administrer le royaume si tu n'en sais rien du tout? Tu sais, père, je ne suis pas intéressé par les histoires du trône. Je ne suis pas. Je ne peux pas me gêner pour ce genre de choses. Par ailleurs, père, tu es toujours en vie. Tu ne vas nulle part. Tu es en bonne santé, très en forme. Tu es là pour prendre soin du royaume. Merci, mon fils. Donc... Merci. Mais la vie a beaucoup de surprises. Je ne fais que te préparer, mon fils. Avant que je ne meure, tu vois, il faudrait que tu rapproches ton fils dans le processus de te rendre héritier apparent du trône. D'accord, père. J'ai accepté. Ok? Ce n'est pas un problème. Je vais ramener Daniel à la maison. Très bien, alors. Les vacances vont bientôt commencer, donc. Je ferai ça. Pas de soucis, pas de problème. Un autre conseil important. Mon fils, s'il te plaît. Je veux que tu prennes la bonne voie. Que tu payes la dot de Joyce. Comme ça, elle sera reconnue et obéie comme une femme royale. Comme tu le vois. Ses parents ne sont pas encore considérés comme tes beaux-parents. Vous ne devez pas vous gêner à cause de ces sujets. Je peux les gérer en temps voulu, d'accord? De quel temps parles-tu, mon fils? Quel temps? Tu refuses de payer la dot de ta femme qui t'a donné un enfant, qui vit avec toi. Ça fait des années qu'elle est avec toi maintenant. Et tu es là, tu me parles de temps. N'est-ce pas que c'est une honte pour toi, fils? Mais comment cela est honteux, maman? L'important est qu'on se comprenne. Elle ne se plaint pas. Alors de quoi parles-tu? Je m'en fous. Écoute, tu n'as qu'à le faire. Vous êtes tous les deux des concubins. On ne peut pas vous appeler mari et femme. Oui. Maman, Doris est la mère de mon fils. D'accord? Que veux-tu d'autre? C'est clair. Elle ne peut pas fuir. Elle est ma femme. Tu dois comprendre ceci. Mon cher, le mariage n'est pas question de vivre une vie sexuelle. Mais c'est question de payer la dot. Je vais les lui dire lorsque je vais la voir. Ouais. Allez, maman, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît, tu vas un peu loin. Une fois que tu lui dis qu'elle commence à me donner des maux de tête, je ne veux pas son problème, s'il te plaît. Je vais faire ça moi-même, donne-moi du temps. Tu continues avec la même chose? Ok. J'ai une autre chose à te dire. Ton père et moi avons décidé que tu laisses d'abord le village. Reste un peu avec nous ici. Vous avez décidé? Oui. Sans me consulter. C'est drôle.
Je n'ai pas 17 ans, je suis un adulte. Vous ne pouvez pas prendre une telle décision sans me consulter. Je ne suis pas un enfant. Que dites-vous de mon travail? Et qu'en est-il de l'éducation scolaire de Daniel? De quoi parlez-vous? Nous avons tant de bonnes écoles ici au village. Il peut très bien étudier ici. Comment vas-tu? Ah, mon amour. Ça va, ça va. Une chose. Une dernière chose. Chima restera avec nous dorénavant. Chérie, tu l'avais emmené ici la fois dernière. Je lui avais donné à manger, à boire. Pourquoi n'as-tu pas pensé qu'on devait discuter ensemble avant de prendre cette décision? Mon amour, je suis désolé. J'ai gaffé. Tu as raison. Ce n'est pas que je voulais te manquer de respect, mais notre fils insiste. Donc, je ne veux pas le blesser. J'ai décidé d'aller directement dans la maison de Chima pour voir sa mère, pour m'assurer que nous sommes sur la même voie. Je suis désolé, s'il te plaît. Merci, c'est bon. D'accord. Papa, j'espère que tu vas rentrer tôt pour que nous allions faire du shopping. Ce n'est pas un problème. Ça va, je serai bientôt de retour. En fait, sur le chemin de retour, je vais lui acheter quelques vêtements. Papa, merci monsieur. Merci maman. Ça va, merci, c'est bon. Merci vraiment. Ça va. Dieu vous bénisse. Ça va, ça va. Avant que je ne parte, laissez-moi voir. Vous les garçons, vous avez souvent besoin d'argent. Ça c'est pour toi. Merci papa. Chima, tiens ça. Papa, que Dieu vous bénisse. Ça va. Merci beaucoup. De rien. Merci maman. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. Bébé, je dois m'en aller. D'accord, je t'aime. D'accord. Je t'aime aussi. Bien sûr, à plus. Ok. Adamou. Je vous aime aussi. Au revoir, monsieur. Avance ici. Mon ami, approche! Qui est ton père? Je suis désolé. Je vais te gifler. Et toi, n'ose pas, hein? N'ose pas, je te dis. Fais gaffe. Regarde-moi, toi. Désolé. Idiote. Tu appelles mon mari ton père. Tu ne connais plus ton père, dis-moi. Et tu ouvres toute ta sale bouche pour m'appeler maman. Je suis désolé. J'ai comme l'impression que tu as oublié les visages de ceux qui t'ont abandonné en cours de route pour que les gens te prennent. Maman. Et pour que tu commences à les appeler papa et maman. Maman. Et maintenant, tu as le courage maman. D'emmener ce sale corps. Et toi, la ferme, je te dis. Je vais te taper. Allez, entre là-bas, imbécile. Tu as les culots d'emmener ce sale corps chez moi et appeler mon mari papa. Peux-tu avoir un papa comme lui? Je suis désolé. Peux-tu avoir une maman comme moi? Si j'entends encore ces sons, je vais te tuer. Idiot, allez, donne-moi cet argent. Es-tu en train de vouloir blaguer avec moi? Allez, dépêche-toi, donne-moi cet argent, vite, donne. Imbécile. N'importe quoi, il prend aussi l'argent. Qu'est-ce que tu as apporté? Peu importe ce que tu as porté, amène ça chez la sentinelle. Que je ne puisse pas voir ton sale corps dans ma maison. Hein? Lave-toi avant de venir nettoyer la maison. Donc,
Donc, parce que mon mari t'a emmené chez moi sans ma permission, tu penses que cela te donne l'autorisation, le courage de me manquer du respect, hein? Je suis désolé. Qu'est-ce que tu dis? Qui est ta mère? Qui est ta mère? Es-tu malade? Combien de fois t'ai-je interdit de ne pas m'appeler par ce nom-là? Suis-je ta mère? Tu es désolé. Tu dois vraiment être désolé. Tu le chantes aussi. C'est devenu une chanson pour toi, non? Tous les jours. Je suis désolé. Continue encore à faire des bêtises. Si tu es vraiment désolé, tu n'as qu'à prendre tes affaires et sortir d'ici. Tu sais, quand je te vois ici, tu me nerves tellement, j'ai envie de t'étrangler. Ne sais-tu pas que je ne veux pas de toi dans cette maison? Allez, vas-y, soulève ça. Dépêche, vite. Allez, soulève. Soulève. Insensé. Mais pourrais-tu arrêter ça? Que se passe-t-il? Pourquoi tu maltraites ce gars comme ça? Chérie, personne ne maltraite ce garçon. Je ne le maltraite pas. C'est ce qu'il mérite, ce garçon. Ce petit garçon est comme un petit rat. Si je ne le traite pas de la sorte, il ne va pas bien grandir. Si tu lui dis quelque chose, il ne le fait pas vraiment bien. Hein? Mais de quoi parles-tu au juste? As-tu perdu la tête? As-tu perdu la tête? Pourquoi? Est-ce que tu peux faire ça à notre fils? Mais pourquoi ça? Mon fils n'est pas comme lui. Arrête ça, je parle. Tais-toi. Pourquoi tu le traites comme ça? Hein? Hé, lève-toi. J'ai dit, lève-toi. Lève-toi, mon ami. Lève-toi et reste debout. Tu ne réalises pas que tu as besoin de ce garçon? Bientôt, notre fils voyagera à l'étranger pour ses études. Tu as besoin de ce garçon. Hein? Que se passe-t-il ici? Tu lui as... Jésus-Christ. Tu lui as donné tes deux sous à laver? Non. Je lui ai demandé d'aller dans ma chambre et prendre les vêtements pour nettoyer. T'ai-je demandé de prendre les sous-vêtements? Hein? Tu vois ce que je suis en train de te dire? Tu ne les avais pas donnés toi-même? Je ne l'ai pas fait. Ne me mens pas. Je suis le chef de cette maison. Est-ce que ma femme t'a donné ces choses à laver? Hein? Ne me mens pas. Je suis l'homme de cette maison. Regarde-moi. Dis-moi la vérité. Que s'est-il passé? Elle te les a donnés? Hey, je t'ai vu. Tu mens. Tu es méchante. Comment pourrais-tu? Une femme mariée donner ses deux sous à un jeune garçon à laver? Es-tu saoulée? Chérie, je ne l'ai pas fait. C'est l'une des choses dont je me plains pour lui. Ce garçon est stupide. Je lui ai dit d'aller prendre les vêtements. Pourquoi m'as-tu pris les vêtements? Tu mens. Ne me mens pas. Assez. Tais-toi. Ne fais plus ça à nouveau. Tu m'écoutes? Ne fais plus ça à nouveau. Laisse ce garçon tranquille. Laisse ça, vas-y. Bienvenue, monsieur. Tout le monde attend pour vous connaître. Pouvons-nous vous connaître, monsieur? Yeah, c'est moi, Daniel George, a.k.a. le grand boss. Yeah, j'étudie à l'Université du Canada. J'ai beaucoup d'argent, ne vois-tu pas que je suis un grand boss? Wow, nous sommes fiers de toi, mon ami. Attends, mon vieux, je crois qu'on va essayer de monter ça un peu. On va allumer la télé, ok? On va regarder un peu ce genre de rappeur. Regardons la lutte. En parlant de ça, je crois que tu connais une meilleure chaîne pour ça. Regardons la lutte, non? Attends, s'il te plaît, juste après ce jeu. Après ce jeu, s'il te plaît, hein? Merci. Bonsoir, maman. Daniel, pourquoi n'es-tu pas dans ta chambre? Je suis en train de regarder là. Dans ta chambre, là-bas, faire ce que tu dois faire. C'est quoi ça avec toi? Et toi, tu es toujours là? Combien de fois t'ai-je interdit de ne pas t'asseoir sur mes fauteuils? Désolé, madame. Je suis désolée. C'est tout ce que tu sais dire. Je fais des choses pour dire je suis désolée. Ah, mon ami, qui tu sais? Pourquoi moi je suis comme un esprit? Désolée. Hé, mon ami, reviens là. Reviens vite. Recule. Prends cet argent. Va dans la pharmacie. Pas celle qui est tout près ici.
Si tu pars ici, je le saurai, je te dis. Tu vas à la grande avenue, oui, près celle-ci. Tu prolonges et tu vas compter 1, 3 à ta gauche. Cette avenue-là. À la fin de cette avenue, tu verras une pharmacie là-bas. Je dis bien à la fin, il y a une grande pharmacie là-bas. Je veux que tu achètes la dernière pharmacie. Je ne me rappelle plus du nom. Achète-moi la tétracycline. D'accord, madame. Qu'est-ce que j'ai dit? Tétracycline. Tu sais comment appeler? Et pourquoi tu fais des bêtises souvent ici? Allez, vas-y, pars vite. Si tu sors là-bas, appelle Adamo pour moi, s'il te plaît. Ok, madame. Viens ici, viens vite. Tu fais comme si tu ne réfléchis pas bien. Mon ami, approche ici. N'ose pas. Qu'est-ce que je dis? N'ose pas. N'ose pas ouvrir le portail pour quelqu'un, même si c'est ma mère. N'ouvre pas mon portail pour quelqu'un cette nuit. M'as-tu bien entendu? Oui, madame. Qu'est-ce que je dis? Que je n'ouvre pas le portail. Mais madame, tu m'as viens juste de... Imbécile! Qu'est-ce que tu dis devant moi ici? Chima. Désolée, madame. Chima a fait quoi? Es-tu malade? Ou tu mets en question mon autorité? Non, madame. Je t'ai interdit de faire quelque chose et tu mets en question mon autorité. Désolée. Insensé. Ah, mon ami, dégage de devant moi. Désolée, madame. Qu'est-ce qu'il fait ici chez moi? Oh, bébé. Comment s'est passé ta journée? Non, très bien, stressante. Pas mal. Bébé, devine quoi? Quoi? Le visage de notre fils est sorti. Tu es sérieuse? Oui, il part au Canada. Oh, ça c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Où est-il? Il n'est pas encore rentré. Hein? Daniel n'est pas de retour. Il n'est pas rentré. Mais je lui ai parlé il y a quelques minutes. Il a dit qu'il est en chemin. Peut-être qu'il est coincé dans l'embouteillage, tu veux voir. Il faut que je l'appelle. De partir avec lui. Tu vois maintenant? Ah. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Son numéro ne passe pas. Excuse-moi, laisse-moi répondre à cet appel. Allô? Jésus-Christ. Hé, hey, Jésus-Christ. Notre fils a été tiré dessus par des braqueurs. Quoi? Il est à l'hôpital. Hé! Hey. Jésus! Jésus-Christ. Daniel. Daniel. S'il vous plaît, calmez-vous. Hey, Daniel. Daniel. Seigneur, pitié. Qu'est-ce que tu as? Vous devez nous laisser, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas quitter ici. C'est notre fils. C'est pour l'amour de Dieu. Nous devons nous concentrer sur ce que nous sommes en train de faire. S'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, restez dehors. Docteur, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Il ira mieux. Ok? S'il vous plaît. Laissez-nous faire notre... Chérie, allons-y. Attendez. Docteur, dehors. S'il vous plaît, faites votre possible pour le sauver. Docteur, je vous en prie. Ça va, chérie. Nous sommes ici, docteur. Docteur. Chérie. Chérie, nous sommes là. Docteur. Allez, viens.
Dis-moi, qui t'a fait ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi le problème? Dis-moi. Dis-moi, mais quel est cet hôpital? Personne ne s'occupe de lui. Docteur! Dis-moi. Kaima. Parle, parle, parle. C'est madame qui a causé tout ceci. Comment? Que veux-tu dire? Donc, prends cet argent. Va à la pharmacie. Pas la pharmacie qui est proche ici. Si tu pars plus près ici, je le saurai très bien. Tu connais la grande route. Ouais. Juste après la nôtre. L'avenue juste après. Tu comptes une, deux, troisième. À ta gauche. Tu verras une pharmacie. À la fin de cette avenue, il y a une pharmacie. Je dis bien à la fin de l'avenue, il y a une pharmacie. C'est là-bas que j'étais envoyée. Je ne me rappelle plus du nom. Achète-moi la tétracycline. D'accord, madame. Qu'est-ce que j'ai dit? Tétracycline. Tu as bien prononcé. Et pourquoi tu fais souvent des bêtises? N'importe quoi. Allez, mon ami, vas-y. Viens par ici. Ah! Il y a quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Je ne sais pas. Je ne sais, à mon arrivée, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette femme. Il m'a chassé de la maison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Regarde, il est vraiment tard. Qu'est-ce que... Écoute, tu sais que si madame te voyait, c'est un problème pour moi. Que veux-tu que je ne veux pas perdre mon travail. Où est-ce que je vais dormir? Ok, c'est bon. Attends, j'arrive. Attends. Hein. Oh mon Dieu. Prends ça, essaye de te trouver un endroit où dormir. C'est pas ça que j'ai Allez, besoin, vas-y. Je n'ai nulle part où aller dormir. Ne crie pas. Débrouille-toi. Ah, mon Dieu, ça c'est quel genre de problème, oh? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? T'es malade? Allez, vas-y, parle. Parle vite. Dis-moi, qui es-tu et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je vais te gifler. Oh. Madame m'a chassé de la maison. Ta patronne t'a chassé de la maison, c'est ça, n'est-ce pas? Et tu es venu dormir ici comme si c'est toi qui payais le loyer, c'est ça? Petit, tu as l'air d'un voleur. Ce n'est pas toi qui viens nous voler des trucs ici de temps à temps. Je ne suis pas un voleur. Elle m'a envoyé. Et quand je suis revenu, le portier a refusé de me laisser entrer. Regardez-moi ce petit. Il a été chassé de la maison. Et maintenant, il a trouvé... D'accord, ce n'est pas un problème. Sinon, les gars, dites-moi, que pouvons-nous faire de lui? Es-tu sûr que ce garçon saura faire ce travail? Moi, je crois qu'on devrait lui trouver un travail, les gars. Ok. On va le gérer.
peut devenir un petit qu'on peut envoyer à tout moment. Hmm? Vas-tu nous suivre? Vas-tu suivre les instructions? J'ai l'air. Oh, mais. Allez, vas-y. Hein? Allez, viens avec moi. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Vas-y, suis-le. Dépêche-toi avant que je te gifle là tout de suite. Bouge ton cul, idiot. Suis-moi, idiot. Hey, petit, mais pourquoi tu ne comprends rien? Pourquoi tu ne comprends pas? Non, mais c'est quoi que tu nous fais? Tais-toi, idiot. Mec, mais dépêchez-vous, non? C'est quoi ça? Franchement, les gars, on devrait bouger là. C'est quoi? Oh putain, c'est pas vrai. Allons-nous-en. On bouge. Allons-nous-en. Allez, on bouge. Hey! Hey, wo! Allô, monsieur. Daniel. Avec un autre garçon. Chima. Oui, c'est Chima. On les a tirés dessus, juste là, à l'endroit où on prend la voiture. C'est une urgence, monsieur. On doit les amener à l'hôpital. Oui, ils respirent toujours. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tantine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez comme si... Docteur, infirmière. Comment pourrais-tu? Notre seul unique enfant. Voilà où ton désespoir t'a conduit. Tu l'as tué. Tu as tué ton fils. Hey, docteur. 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 C'était quoi ça, franchement, hein? Franchement, c'était quoi ça, hein? Alors c'est comme ça? Il s'est fait tirer dessus et voilà qu'il est mort. Igwe ne pouvait pas attendre. Igwe ne pouvait pas attendre pour faire ce qu'il avait à faire. Et voilà maintenant. Voilà maintenant qu'il est mort. Igwe est mort. Igwe est mort. Igwe est mort. Ah ah! Chibuzu, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère. Mon rêve de devenir l'un des gardes du palais est mort. Pourquoi? J'avais quelques trucs à aller faire là-bas au palais. Et je m'apprêtais à aller là-bas aujourd'hui. Quand je suis arrivé au palais, j'ai vu tout le monde en train de pleurer. Les gardes, toutes les servantes, tout le monde était en train de pleurer. Et quand j'ai demandé, on m'a dit que Igwe était mort. Après avoir reçu un appel, le petit-fils d'Igwe a été tué par des bandits. Le petit-fils d'Igwe a été tiré par les bandits. Est-il mort? Es-tu stupide? Je parle de mon application là. Le garde d'Igwe est mort, c'est-à-dire mon application est morte aussi. T'es vraiment en train de me poser des questions stupides. Allons-y. Au nom de ma famille, je veux vous remercier tous pour votre contribution durant l'enterrement de mon fils et celui de notre regretté roi. Notre roi qui a rejeté les ancêtres, qui est mon père. Honnêtement, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez tellement fait. Je suis vraiment reconnaissant. Et je prie que les dieux de nos ancêtres vous bénissent. Et vous accordent tous vos désirs. Ici. Ça, je vous salue les anciens. Angon. Ah mon fils, tu as bien parlé. Loin encore, tu es vraiment le fils de ton père. Ah. Mais
Je n'ai pas besoin de te rappeler que ce que nous avons fait, c'était notre devoir que nous étions en train d'accomplir. Parce que traditionnellement et véritablement, nous étions en train d'honorer notre défunt roi avec ses funérailles. Il méritait absolument tout ce que nous avions fait. Ah oui. Hein? Ah oui. Oui, c'était ça au fait. Tu n'as pas besoin de nous remercier pour quoi que ce soit. Hein? C'est ça. Notre cher fils, nous n'avions fait que notre devoir moral. Ah, voilà. Ton père, notre roi, était un homme gentil et paisible. Hey. Il aimait son peuple avec tout son cœur. Hmm. Donc nous sommes heureux que nous, les membres de son conseil, avions été en mesure de lui donner un enterrement digne. Tu as bien parlé. Merci beaucoup. Mon fils. Oui. Merci. Je veux dire que ton calendrier ne t'avait pas permis, ou ne t'avait pas donné assez de temps pour t'engager dans les affaires de ce royaume. Mais je crois que ton feu père t'a bien parlé de nos cultures et traditions, que le fils qui lui a éventuellement ou automatiquement succédé doit avoir un héritier remplaçant. S'il n'en a pas et qu'il n'y a personne dans la lignée qui est qualifié, le trône ira automatiquement à la famille suivante. Onoru, s'il te plaît, écoute-moi très bien. Cela n'a rien à voir avec ce que nous parlons actuellement. Hein? Je suggère que... Hein? Que... En fait, ce n'est pas du tout le moment de parler de tout ça. Onoru, je n'accepte pas. Je ne vais pas accepter. Je n'accepterai jamais ce plan arrangé dans la précipitation. Jamais. Vous ne pouvez pas m'arracher ce qui me revient de droit. Je ne suis pas un impuissant. D'accord? J'avais un fils. Mon fils est décédé. Et cela ne veut pas dire que je ne peux plus avoir un autre. Ça ne marche pas comme ça. C'est mon droit. C'est mon droit d'être le prochain roi. Vous ne pouvez pas m'arracher cela, Ono. Je ne le permettrai pas. Mon fils, pendant que je considère tes mots, la communauté doit attendre jusqu'après l'anniversaire de l'enterrement de ton feu père. La tradition est grande et elle n'a été faite pour blesser qui que ce soit. Pendant que nous prions que les dieux te permettent de cultiver et récolter, hein, nous prions aussi que les dieux et nos ancêtres te permettront aussi de cultiver et de récolter, soit sur le terrain que tu cultives maintenant, ou bien sur un autre terrain que tu jugeras juste de cultiver et récolter. En attendant, n'hésite pas de venir chez n'importe qui entre nous pour la vérification et la direction. Jusque-là, le trône est toujours à ta disposition. Merci. Allez, Sevior, ne désespère pas. J'ai toujours la foi, je sais que Dieu finira par bénir ta mère. Il le fera, j'en suis sûre, oui. Regarde un peu ta mère. Elle est la seule qui se bat pour ta sœur et toi. Elle est une femme forte. Honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour elle, ainsi qu'à la mienne. Mon père est là, il aurait dû l'assister, il ne le fait pas. Ma mère se débrouille toute seule. Crois-moi, tout ira bien. Ça finira toujours par aller. Tu dois garder espoir. Peace, je comprends ça. Mais ça demande beaucoup de peine pour comprendre la racine de tous les problèmes. Tout concernant mon futur est tellement blanc que je ne vois même pas dans aucune histoire. Ne parle même pas de ça. Ok, tu dois te calmer. Je sais que tu es fort. Alors dis-moi, comment est-ce que tu t'apprêtes pour ce dimanche? Allez!
Ok, c'est bon. Ok. Je vais parler à mon père pour qu'il puisse nous filer un coup de main. Je suis sûr qu'il le fera. Bien, j'espère vraiment que ce dimanche, ça sera un très grand jour. Ça, c'est une bonne chose. Mais concernant ton père, oublie ça. Surtout avec ce qui s'est passé entre toi et ma sœur. Mais qu'est-ce qui se passerait réellement entre ces deux-là? Parce que mon père change d'attitude quand j'essaie de lui en parler. Au moins, ce que je sais est que ton père déteste ma famille tout entière. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout. Le fait est que mon père a dit qu'il va aussi inviter son ami qui lui a envie. Et je vais profiter de cette occasion. Tu vois, ce dimanche sera le meilleur dimanche de tous. Je te l'ai dit. Sérieusement, le diable essaie vraiment de me déconnecter de ce programme. Mais je suis victorieux parce que je sais et suis déterminé à servir Dieu d'abord. Bien sûr, je te crois. Alors, comment est-ce que tu t'apprêtes? As-tu quelque chose de spécial? Tu me prends pour un aventurier? Tu sais ce que je peux faire, non? J'ai un tas de musique fascinante. Es-tu sérieux? Tu sais bien ce que je peux faire, non? Crois-moi. Meilleure que celle que tu avais fait l'année passée. Ah, ce sont des histoires passées, non? C'est une nouvelle année. Je te crois. Il y a des trucs nouveaux. Je te crois. Merci, ma chérie. Alors, quand est-ce que nous allons répéter? Aujourd'hui, c'est bien samedi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est vendredi. Oh, j'avais oublié. Ouais, nous allons répéter demain. Pas bien de discussion. Bien sûr. On le fera. Je serai à l'église très tôt. Très tôt, en tout cas. Tu dis très tôt, ouais. Mais tu arriveras à 9h. À propos, je dois partir maintenant avant que ma mère ne se mette à ma recherche. C'est vrai, ça. Merci beaucoup de ton conseil. J'ai vraiment apprécié. Merci pour la compagnie. Merci pour tout. C'est ça. Et demain, tu viendras avec un autre discours. Allez, tu m'accompagnes. Oh, c'est vrai. Attends, Sevio! Pis, donc c'est ici que tu prends la sainte scène avec ce vaurien. Papa, nous n'avons rien fait de mal. Vous ne prenez aucune sainte scène. Ne t'ai-je pas prévenu de ne plus jamais t'approcher de ce vaurien qui se fait appeler Sevio? Laisse-moi te dire, ce bâtard, ce vaurien ne va pas te sauver de mes mains. Papa, il ne peut pas être une mauvaise écoute, personne. Je vais te donner des gifles à mer si tu ne fermes pas ta gueule. Est-ce que c'est parce que j'ai un peu de respect? C'est parce que j'ai un peu d'amour pour toi? Si ce n'est pas que tu es ma fille bien-aimée, j'allais te donner des coups de pied ici. Où est-ce que tu allais? Tu vas à la maison. Maintenant, bouge maintenant même avant que je n'appelle tous les chiens d'ici papa, pour t'attaquer. Papa, tu te trompes. Il n'est pas un bâtard. Tiens-toi là-bas pour me dire qu'il n'est pas un bâtard et tu me diras si tu es son père. Reviens ici pour me dire qu'il n'est pas un bâtard et tu me diras si tu connais sa sœur paternité. Animal. Je t'enverrai pour me faire des courses et tu profiteras pour te promener avec cet animal féroce qui cherche qui dévorer. Ne sais-tu pas qu'il est le diable incarné? C'est un antichrist. La prochaine fois que tu me diras que tu vas au culte du soir, je te surveillerai. Ne sais-tu pas que je suis un ancien dans l'église, très proche de la chair? Toi, tu es petite, tu ne vois pas ce que je vois. Très bientôt, je deviendrai un diacre dans l'église. J'étais impressionnée aujourd'hui. J'étais impressionnée par ta performance aujourd'hui à l'église. Hein? Ton adoration a été merveilleuse. J'avais vu les gens adorer avec les mains levées, en étant à genoux. Ah, c'était merveilleux. Mon fils, je dois confesser. Je suis contente. Merci, maman. Merci. Serait, tu m'as vraiment surpris, oh, pendant que tu étais en train de danser à l'église. Je suis content de t'avoir vu sourire aujourd'hui. Attends, donc tu étais en train de me regarder? Ah, oui, bien sûr.
Je n'ai pas cessé de le faire. Je te jure. Du début à la fin. Papa, peux-tu imaginer? Hey, mon fils. Écoute. Hein? Je vais te donner l'argent pour que tu payes à l'école. Hein? Et crois juste en Dieu. Hein? Encore une chose. Tu vois la fille d'Amadi. Je n'aime pas te voir ensemble avec elle. Fais beaucoup attention avec elle. Son père ne nous aime pas. Amadi s'est juré ennemi de notre famille. Il n'est plus le nôtre. Fais beaucoup attention, s'il te plaît. Compris? C'est d'accord, maman. Je comprends. Je vais aller à l'intérieur pour lire mes livres maintenant. Maman chérie, je t'aime. Maman, j'étais en train de réfléchir. Ce n'est pas le temps de lui dire qui il est. Oui, très bientôt, un jour, la vérité lui sera révélée. Mais il peut le connaître maintenant. Ça va beaucoup le décourager. Ça va aussi le distraire dans ses études. Alors, sois un peu patiente, ok? C'est bon, maman. Je sais qu'un jour, il saura qu'est-ce qu'il y a. Mais pour le moment, gardons d'abord ce secret. Merci, maman. Je dois manger quelque chose. D'accord, prends aussi ton sac, ma fille. D'accord. Je suis fatiguée. Oh! Je suis contente aujourd'hui. Peace, je dois te confesser un truc. Tu as été ma meilleure amie. J'ai passé du temps avec toi, plus que je ne l'ai fait avec quiconque. Je me rends compte à quel point tu es différente. J'aimerais vraiment que ça continue ainsi. Tu es très drôle, arrête! Nous veillons l'un sur l'autre. Tu es mon amie, je suis ton amie. Tu m'aides, je t'aide et c'est ça l'amitié. J'aurais passé un mauvais quart d'heure aujourd'hui, si je n'avais pas une si bonne amie comme toi. Tu as montré tellement de courage. Je dois me rendre à l'évidence. T'es la meilleure. Tu sais quoi, Sevior? Tu es un très bon ami. Quand tu es là, tout mon être se sent bien. C'est comme ça que j'avais découvert que tu étais mon ange gardien. Comment? Tu vois tous ces petits garçons qui courent après le filles ici dans le village. J'avais vraiment très peur d'eux. Mais quand tu es là, tu leur donnes une autre impression. Je sais qu'ils ne verront rien, mais sérieusement, la dernière fois, je ne m'attendais pas, je ne savais pas que les choses pouvaient se passer comme ça. Donc, tels qu'ils sont là, à chaque fois qu'ils me voient, ils me demandent toujours où est ton sauveur, où est Sevior. Viens. Je crois que je vais disparaître. Attends, ne panique pas. Peace. Qui est celui-ci? Que veut dire ceci? Ne t'ai-je pas prévenu d'arrêter d'aller avec cet idiot, ce grand bâtard? Ne t'ai-je pas dit que je ne veux plus te voir proche de ce bâtard? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ici? Je te pose la question. Réponds-moi, es-tu maintenant devenu sourde et muette? Je vous demande pardon, avec tout le respect que je vous dois. Je ne suis pas un bâtard. Et s'il vous plaît, arrêtez de m'insulter. Tu me dis que tu n'es pas un bâtard. Tu me dis que tu n'es pas un bâtard. Maintenant, va demander à ton idiote mère, Monica, et ta grand-mère, ton père, qu'elles te disent qui est ton père. Tu es un homme sans origine, un homme idiot et sans racine, un bâtard de renom. C'est ce que tu es. Maintenant, laisse-moi te prévenir pour la dernière fois. Je ne veux plus te voir nulle part proche de ma fille. Est-ce que tu m'entends? Si je te vois encore quelque part un jour proche de ma fille, je te casserai. Je parle et tu es encore assis là-bas. Hein? Je m'occuperai de toi, tu vas voir. N'importe quoi. Vois-moi ce bâtard. Maman. Maman. Maman, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Dis-moi. Maman, attends.
comment tu viens de m'appeler? Ton enfant? Serait, je ne comprends plus rien. Comment viens-tu de m'appeler? Qui est mon père biologique? De quoi parles-tu? Maman, qui est mon père biologique? Oh, vous continuez à poser des questions? Oh! C'est vieux. Maman, je vois que tu préfères me laisser partir plutôt que de me dire la vérité, c'est ça? Si tu ne me dis pas qui est mon père biologique, je vais me ôter la vie tout de suite. Serait, parle, je t'écoute. S'il te plaît, c'est vieux. Calme-toi, mon fils. Telle que tu me vois, je suis ta mère biologique. Et je veux te dire à propos de ton père biologique. Wagi! Arrête! Arrête! Arrête, non! Pourquoi tu... S'il te plaît, ne fais pas ça. En effet, je ne connais pas assez sur toi. Et si tu décides de m'abandonner après... Je ne ferai pas une telle chose. Ok. Écoute-moi. Mon nom est Georges Anousike, fils de Iruna Anousike, premier du royaume d'Oji et Saint. Pour être plus clair, je peux te donner mon adresse complète si tu veux y aller. C'est pourquoi alors? Parce que je veux juste que tu saches que je t'aime. Je ne puis m'amuser avec ton cœur. Je suis éperdument amoureux de toi et rien ne peut changer ça. Une minute. Ok. Prends ça. Prends-le. Vas-y. Prends. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi? Ceci est un symbole de l'amour que j'ai pour toi. Cela m'a été donné par mon père, de sa mère. Et ma mère me l'a donné à moi de la même manière. Et je te le donne maintenant comme symbole d'amour que j'ai pour toi. Ok. Garde ça jalousement. Et ne le perds surtout pas. Monica. C'est ce qui s'était passé. Georges est ton père. Mais il était mort dans un accident de voiture il y a des années passées. J'ai une photo de lui à l'intérieur. Alors si on entre, je veux te la montrer. Mon fils, j'aimerais que tu comprennes que nous avons gardé tout ceci pour ton bien. Hein? D'accord, maman. Je comprends maintenant. Je suis reconnaissant à Dieu de ne pas être un bâtard, tel qu'on m'a appelé. Tu ne l'es pas, mon fils. Tu ne l'es pas. Je ne m'en fais plus du tout. Ok. Oui, sérieux. Non. Tu es mon petit-fils, mon petit-fils bien-aimé. Hein? Merci, maman. Merci. Hein? Tu es mon petit-fils.
bébé. Ne me touche pas. Faut pas me toucher. S'il te plaît, ne me pardonne-moi. Touche pas. Pardonne-moi, chérie. Arrête de m'ignorer. Ça ne va rien résoudre. Je te comprends bien que tu ne veux pas que je parte devant des anciens du village. Je le comprends très bien. Mais on ne peut pas rester ensemble tout en m'ignorant de la sorte. Pourquoi ne pas m'accorder une autre chance? Accorde-moi une seconde chance en payant ma dot. Tu dois payer ma dot comme l'a dit ta mère. Comme ça, ça me donnera l'opportunité d'avoir un autre fils. S'il te plaît, je suis fatiguée de ce silence. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te supplie au nom de Dieu, s'il te plaît. Georges, parle-moi. Georges. Chérie, j'ai un plan. Bébé. Je crois qu'on doit adopter un enfant. On doit adopter un garçon. Ce que je dois faire est de prétendre être enceinte. Et lorsqu'il sera temps, nous allons sortir cet enfant garçon. De la sorte, tu vas garder la royauté et tout ce royaume sera à notre faveur. Chérie, nous ne pouvons pas laisser cette idée chômer. Je ne veux pas adopter l'enfant d'un autre homme avant de devenir roi. Si mon peuple ne veut pas me couronner, ils peuvent garder le trône. Je n'étais même pas intéressé au début. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel genre d'homme es-tu? Ça, c'est une opportunité que n'importe quel homme peut sauter dessus. Tu dois profiter de cette opportunité. Tu m'insultes à cause de ta volonté? Comment oses-tu? Es-tu saoul? Hein? Je suis désolée, désolée. S'il te plaît, je suis désolée. Je ne peux pas laisser cette opportunité nous passer. Oh, s'il te plaît, je veux que nous gardions la royauté. Je ne veux plus demeurer sous le pied d'une personne, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu aurais dû penser à cela avant de tuer ton propre fils. Excuse-moi. Mon amour, s'il te plaît, arrête de faire cette tête, concentrons-nous sur l'adoption, je t'en prie, qu'on les fasse dès que ce sera possible, s'il te plaît. Je l'ai considéré. Alors? Ça se fera seulement après. Avoir pleuré notre fils. Je sais. Mais concentrons-nous d'abord. Nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons courir vite. S'il te plaît. Et après, nous pouvons chercher à l'enterrer, mais d'abord nous devons aussi nous rassurer du futur. Est-ce que tu me comprends un peu? S'il te plaît. Bien. Est-ce
Est-ce que c'est bon? S'il te plaît. J'ai compris. Oh, merci, chérie. Merci. Oh, chérie, ça va. Merci énormément. Pourquoi tu ne souris pas? Bon, toutefois, je dois commencer à faire des appels, me mettre en contact avec les orphelinats pour demander les conditions d'adoption. Tu vois, chérie, j'arrive. Georges, qu'est-ce que c'est? Que veux-tu dire par « tu n'es pas intéressé par la royauté » Donc tu veux vraiment abandonner ce qui t'appartient? Ton père sera vraiment couvert de honte dans sa tombe. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dans ce cas, j'ai besoin d'un fils biologique. Ah oui, personne ne peut décevoir Dieu. Au lieu de faire du fils d'un autre homme le mien, parce que tout simplement je veux devenir roi. Ouais, vaut mieux que je prenne une autre femme qui me donnera un fils biologique et je deviendrai roi. Comment ceci est-il possible? Ta femme n'a pas pu non plus croire au résultat. Elle est enceinte de 3 mois. Wow, wow. En effet, le miracle s'est produit. Le docteur dit que ma femme porte une grossesse de 3 mois. Mais aisément lui dit que ma femme ne peut plus jamais concevoir. Qui devrais-je croire? Aisément est un homme d'intégrité. Je suis en train d'halluciner. Que se passe-t-il vraiment? Y a-t-il quelque chose que ma femme ne me dit pas? Définitivement, quelque chose ne va pas bien quelque part. Nous devons insister que sa cruelle femme vienne jurer devant les dieux de nos ancêtres. Juste imagine-toi, comment peut-elle tomber enceinte? Moi, je suis complètement perdu. Et pourquoi maintenant? Pourquoi n'était-elle pas enceinte depuis longtemps? Ça, c'est un miracle que je n'arrive pas à comprendre. Oh. Donc, elle doit venir pour jurer et nous convaincre. Ouais. Ils sont là. Méchante personne. Tous les deux sont là. Hey! Qu'est-ce qui a fait venir cette ivrogne ici? Écoutez-moi. Que fais-tu ici? Laissez-moi vous dire. Depuis hier là jusqu'à maintenant, je n'ai rien pris du tout. Mes yeux sont clairs. C'est pourquoi je suis venu t'avertir, Ono et toi. Madoka, je ne sais même pas si tu es Madoka ou bien Kamadou. Parce qu'actuellement même Ono t'a emporté. Écoutez, où est l'autre là? Ndubam et Ikemba, tous autant que vous êtes. Les dieux voient ce que vous faites. Si vous n'arrêtez pas ce que vous faites va vous arrêter. Les dieux sont en train de venir avec leur colère. Petit à petit, ils vont en finir avec vous. Ils vont vous cogner. Ils vont vous cogner derrière vos derrières et vous n'allez même pas comprendre ce qui vous arrive. Si tu connais là d'où vient ce temps,
Dis-lui de retourner, sinon je briserai sa tête. Qu'est-ce que ça, ça tête chauve là avec ma canne. Oh non, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille avec sa moustache qui est énorme plus que ses cheveux. Laissez-moi vous dire, j'ai transmis mon message. Je sais, ma moustache est énorme que... Oui, mais regarde tes yeux. À te voir comme ça, je ne sais même pas ce que tu as l'habitude de prendre, ni ce que tu fumes. Franchement, je ne sais pas, regarde-toi. Laissez-moi vous dire que je vous ai déjà prévenu. Que vous écoutiez ou que vous fassiez le contraire. Les dieux sont en colère contre vous tous. Et ils en finiront avec vous, une fois qu'ils vous auront. Vous tous, ha! J'ai pitié de vos générations parce que... Assez, dégage d'ici! Va-t'en d'ici! Venez d'ici! Va-t'en d'ici! On va voir. N'importe quoi! Idiot! On verra bien. Hein? Méchante personne. Ah, ne le regarde pas. Comme je le disais. Non. Approche. Maman. Pleure pas, oh. Je t'ai envoyé pour aller découvrir. Il n'y aura pas de croix devant toi. Amen. Et le bonheur sera ton partage. Va avec tant de prières et tant de bénédictions. Et le Seigneur sera avec toi. Amen. Et ton voyage aura du succès. Amen. Tout ceci pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Bien. Maman, s'il te plaît, prends bien soin de je toi. Je le ferai, maman. Ah, rappelle-toi de toujours prier. Toujours. Et sois toujours un bon garçon. N'en fais pas, maman, je le serai. Je le ferai, je le Alors, ferai. Alors prends mon téléphone, comme ça on va commencer à s'appeler. Hein? D'accord, maman, merci. Tu vas nous manquer. Vous me manquerez aussi. Sois un bon garçon, maman. S'il te plaît, arrête de pleurer, je t'en prie. Ça va aller. Ne pleure plus, je t'en prie. Tu me quittes? Non, maman, bien sûr que non. Et tu es en train de me quitter? Non, maman, bien sûr que non. Tu sais que je suis ta grand-mère. Où est-ce que tu vas et tu me laisses? Je reviendrai. Maman, je reviendrai. Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. Je reviendrai. Baba, yo. Maman, arrête. C'est vieux. Bon voyage, hein. Hey! Maman, c'est bon. Hey! Maman, s'il te plaît, arrête de faire ça. Oh mon Dieu, pourquoi ça, mon Dieu? Mon petit fils est parti, ma vieille. Mon Dieu, pourquoi ça, pourquoi? Maman, c'est bien. S'il te plaît, rentre. Non, qu'il revienne, qu'il ne parte plus. Non, je ne veux pas rester sans lui. Maman, je te supplie. Non, c'est bien, rentre, mon petit-fils. C'est bien, mon petit-fils. La pauvreté n'est pas bonne. La pauvreté est une maladie. Un riche est celui qui a de l'argent et qui a aussi le cerveau de savoir comment l'utiliser. En son dos, suis-moi. Suis Ndoukako. Ton histoire va changer. Hein? Écoute. Onohou est le roi de ce royaume que Dieu nous a donné. Et il est la bonne personne pour nous diriger. Tout ce dont tu as besoin, c'est de le soutenir. Et tu en profiteras. Tu en profiteras comme moi. Pas ce citadin. Qu'est-ce qu'il en sait du trône? Ndoubam, tu es un menteur. Un fantastique menteur. Au fait, tu es le plus grand et le plus idiotique menteur que je n'ai jamais vu de ma vie. Non, mais regarde-toi. Non, j'ai pitié de toi. Tu sais pourquoi? Très bientôt, très très bientôt, ta méchanceté se dévoilera. Très bientôt, ta méchanceté sera vue. Tu penses que puisque les dieux sont silencieux maintenant, ils le seront pour toujours? Non, ils vont garder silence pour toujours. Regarde-toi, tu sais à quoi tu ressembles? Laisse-moi te dire, tes secrets sont sur mes paumes.
Je les ai absolument tous. Je connais tous tes secrets. Tu ferais mieux d'être prudent. Mes secrets sont dans tes paumes. Tu as bien entendu. Je vois que tu cherches quelqu'un pour te tuer. Si je pointe mon doigt comme ça maintenant, mes garçons vont t'éliminer. Quels garçons? Mes garçons. Regarde-toi, tu ris. Ton problème, c'est que tu cherches quelqu'un pour te tuer. Je ne veux pas que le fantôme d'un misérable vienne pleurer. À mes fenêtres, chaque nuit. C'est pourquoi je te laisse. Regardez-moi ça. Dubako, tu n'es rien d'autre qu'un gros ballon rempli d'air. Laisse-moi te dire quelque chose. Il suffit que je prenne une aiguille et... tu exploses. Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Oh no. Un jour, une aiguille... et boum, c'est ce qui va tuer, juste une épine. Et tu exploses, et tu as l'audace. Alors que tu n'es rien, regarde-toi, n'importe quoi. Allez, va te faire voir, mon. Regarde-moi ça, je pense que cette boisson te rend cinglé. Tu penses que la pauvreté tu as de l'argent, te rend cinglé, hein? Tu penses être un homme qui a de l'argent. Et tu veux devenir un vendeur pour vendre la royauté à Ono. Tu veux vendre ça à Ono. Voilà comment l'argent et les pouvoirs veulent vous rendre méchants jusqu'au point de vouloir vendre la royauté à quelqu'un comme Ono. Je ne peux même pas échanger voilà de mots avec toi. Parce que je suis riche plus que toi. Je suis riche plus que toi. Je suis riche plus que toi. Regardez-le. Regardez-moi ça, chauve-tête. Tu veux vendre la royauté à Ono. Toi aussi, tu t'adresses à moi. Puisque ton argent est plus violent que moi, tu veux devenir un vendeur. Regarde-toi. Ah ah! Osondo, Osondo! Au dégoût, le grand palmiste! Mon ami! Ah! Au dégoût, le grand palmiste! C'est bel et bien moi! Tu as quelque chose pour moi? Bien sûr, j'ai toujours quelque chose pour toi! J'ai quelque chose de très frais! Oh. Osondo, tu me connais, Osondo! Hein, toi. Hein? Au dégoût, le grand palmiste! Oh! Tu ne changeras jamais, toi. Vas-y doucement, doucement. Osondo ne changera jamais. Donne-moi le mien. C'est trop frais, tu sais. Oh, Tengu le grand palmiste. Mm-hmm. Merci. Oh, Tengu. Merci d'avoir étanché ma... D'ailleurs, tu as ajouté du carburant dans mes pieds. Ouais. Mon cher ami, que Dieu continue de te protéger en haut comme en bas. Il sait... Afin que ceci puisse continuer de... tu sais, non? Au dégoût, merci. Oui. Puisque tu as ajouté de l'essence dans mes jambes, je vais courir dans toute la communauté. Et annoncer à tout le monde que Prince George Anosike est la vraie personne choisie par les dieux. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai appris qu'il n'est pas qualifié pour être roi. Qui a dit ça? Et que c'est Ono qui a été choisi par les dieux. Ono s'est choisi lui-même. Ono s'est choisi lui-même. Les dieux n'ont pas choisi Ono. Et laisse-moi te dire, Ono et tous ses conjoints sont complètement déçus. Tout ce temps qu'ils sont devraient être déçus par les dieux. J'aurais souhaité que le prince George soit désigné. Mais j'ai pitié de lui, car ses opposants sont très puissants. Ses opposants sont puissants. Laisse-moi te dire, Ono ainsi que toutes ces personnes n'ont pas cessé de détourner de l'argent pour acheter tout le monde. Mais... Et même... Quel est son nom? Ikemba. Ce Ikemba. Ikemba compte kidnapper et tuer le prince. Oui! C'est ce qu'il compte faire. Qu'est-ce que tu es en train de... Qu'est-ce qui se passe, hein? Qui? Quoi? Les gens risquent de t'entendre. Oh, mais... et tu as peur d'eux? Oh, arrête-moi ces conneries. Écoute, je n'ai pas du tout peur d'eux, hein? Pour la peine, rentre chez toi. Tu entendras parler de ça. Hein? Tu entendras parler de ça. Osondo. Tout ce temps qu'ils s'en doivent être déçus. Tu entendras parler de ça. Hein? Osondo, ça va? Je vais très bien.
Je vais parfaitement bien, mon ami. Ne t'en fais même pas. Hein? S'il te plaît, sois prudent. Laisse-moi te dire. Hein? Ils vont tous payer. Oh, l'alcool. Oh non, le roi. Ça tient même pas. Au son doux. Osondo, est-ce que ça va? Ah oui, très 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 bien. Sois prudent, fais attention. T'en fais pas, je vais bien. Je vais très bien. Je vais très bien, t'en fais pas. Je ne suis pas ivre. Que tout le monde m'écoute attentivement. Je m'adresse bien à tout le monde. Si vous connaissez Ono, Ono, quel que soit comment vous l'appelez. Si vous connaissez Ndubako, Ndubako et Ikemba, dites-leur, hey, écoute-moi, je veux que tu délivres ce message, et même toi, hein? Dites-leur, dites à Ono ainsi qu'à ses dieux, qu'ils devraient désister de leur plan machiavélique qu'ils ont contre cette communauté, contre le trône et contre le prince. Ou sinon, les dieux de cette terre les visiteront dans leur maison. Les dieux de cette terre les détruiront tous autant qu'ils sont. Allez le dire à Ono. Hey, toi là, tu as entendu ce que j'ai dit? Va dire à Ono et à ses dieux de désister de ce n'importe quoi qu'ils sont en train de faire contre le trône. Ou sinon, hey, Ono. Ono, Ikemba. Ikemba, Ndubako. Ndu. Oncle, s'il vous plaît, excusez-moi. Oncle, s'il vous plaît, excusez-moi. Oncle, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Tu as besoin de mon aide? Exact, oui, j'ai besoin de votre aide, monsieur. J'en étais sûr. Je le savais. Mon esprit n'a pas cessé de me dire de ne pas finir cette boisson. Ah! C'est pour cela, je devrais croiser un visiteur en chemin. Hey! T'en fais pas. Laisse-moi t'offrir à boire, hein? T'en fais pas. Non, monsieur, non, pas ça. S'il vous plaît, oncle, ce n'est pas le genre d'aide dont j'ai besoin maintenant, là. Quoi? Tu ne veux pas de mon aide? Ce n'est pas le genre d'aide dont j'ai besoin maintenant, monsieur. Ok, tu peux y aller avec ton... Monsieur, s'il vous plaît, je viens de très loin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Ah, s'il vous plaît, monsieur. Tu viens de très loin. Oui, monsieur. Laisse-moi te dire. Tu as encore un très long chemin à parcourir. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. Tu ne veux pas de mon aide. Monsieur, s'il vous plaît, où se trouve la famille d'Anosike? Oh, mon Dieu. S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hein? Qu'est-ce que je fais sérieusement? Oh. Hey. Hey. Mais c'est à droite ou à gauche? Où est-ce que je vais maintenant, moi? Hein? Celui qui a engendré Okafo. Hein? Vraiment? Okafo que tu connais, il est le fils de Keke. Et Okafo a l'air trop vieux pour être le fils de Keke. Je ne l'aurais jamais su. C'est
si tu ne m'avais pas dit. Bonjour, mes anciens. Salut, mon fils. Mon fils? Mon nom est Sevior, messieurs. Je viens de très loin. S'il vous plaît, je vous prie, où se trouve la famille d'Anosike? Famille Anosike? Oui, monsieur. Y a-t-il un problème? Non, non, aucun problème, monsieur. Aucun problème. Au fait, monsieur, ils sont aussi de ma famille. Je suis venu pour vivre et me familiariser avec eux. Oui, monsieur. Et qui t'a envoyé? Les jeunes gens comme vous, à nos jours, sont utilisés pour des fins maléfiques. Non, 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 pas du tout, monsieur. Aujourd'hui. Que Dieu m'épargne, ce n'est pas le cas pour moi. Monsieur, je suis juste venu pour connaître mes racines, c'est tout. Ton origine? Oui, monsieur. Racine? Docteur, ça ne va toujours pas. Vraiment? Ouais. Il n'y a aucun problème avec elle, à part le test que nous avons fait jusque-là. C'est vraiment étrange. Et ça défie même le traitement médical. Alors, que faisons-nous maintenant? Le conseil que je pourrais sincèrement vous donner est de la soumettre à un traitement spirituel. Ça ne pourra pas marcher avec le médecin ordinaire. Chérie, tu iras bien, d'accord? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi les dieux laissent tout ceci m'arriver? On m'exige d'avoir un fils. Sinon, je ne vais pas céder au trône de mon père. Que dois-je faire? Allez, imbécile, allons-y. S'il vous plaît, non, bouge. Je vous en supplie. Non, allez, s'il vous ferme-la. Plaît. Ferme-la. Je vous en prie. Tu me diras ce qui t'a amené ici. S'il vous plaît, non. Tu vas me dire ce qui t'a amené ici. S'il vous plaît. Bouge. Je allez, ne reviendrai on plus. Allez, avance, bouge. S'il vous plaît, monsieur. Allez. Je ne reviendrai plus. Avance là-bas. Plus. Et donc, ta mission est de tuer notre prince, n'est-ce pas? Non, s'il vous plaît. Veux-tu que je te tue en premier? Non, 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 monsieur, non. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Je suis juste venu pour rencontrer mon père ici. Et qui est ton père? C'est mon père. L'homme sur cette photo, c'est mon père. Ma mère m'a dit que c'est mon père. Il est mort il y a 15 ans de cela. Au lieu plutôt de me faire ceci, vous devriez me rendre service. S'il vous plaît. Qui est-ce que tu veux mentir? Je vous en prie. Qui est-ce que tu veux mentir? S'il vous plaît, vous ne reconnaissez pas cet homme. Je vous en prie. Qui veux-tu mentir? Je vous prie, monsieur. Hein? Je vous en c'est prie, nous que tu veux tromper, mon cher. Ça ne peut pas être Onowu. Onowu est noble. Il ne peut pas coopérer avec ces gars. Je vous prie, monsieur. Tu sais que personne ne peut te sauver ici. S'il vous plaît, monsieur. Tu le sais, non? S'il vous plaît, mon ami, monsieur. Calme-toi. Ne me tuez pas. Je vous en supplie, aidez-moi. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh. Mec, nous sommes dans la merde. Nous sommes dans la merde. Hein? Un petit qu'on pouvait tuer facilement comme ça, faire un clean job et nous en aller. Mec, tu es trop bon, tu vois. Ça nous a foutu dans la merde. Tu me fais rire, oh. On ne peut pas à chaque fois parler de tuer, tuer. Si tu avais vraiment une tête qui réfléchit, hein, tu devrais déjà commencer à chercher ces garçons. Ces petits peuvent nous rapporter beaucoup. On devrait les prendre et l'amener chez eux pour demander quelque chose. Tout ce qui t'intéresse, c'est tuer. Cherchons-les, s'il te plaît. Allons les chercher. Ne m'écris pas dessus, oh. Ne m'écris pas dessus. Tout ça, c'est toi. Un de petit fou. Qu'on pouvait facilement tuer comme ça. Tu l'as laissé partir. T'as retenu si longtemps? S'il te plaît, amène-le chez la reine maintenant. Avant que ces gens n'arrivent ici, s'il te plaît. C'est très bien. Je t'en prie, il fais vite. Il est en bonne main. Tu peux partir. Merci. Allez, viens, on y va. Le premier jour que je t'avais vu, je savais qu'il y avait quelque chose. Notre première réunion n'était pas une coïncidence. S'il te plaît, vas-y, parle-moi.
Madame, vous avez raison. Quelque chose en moi me disait que vous êtes ma protectrice. Ah. C'est vrai, madame. Madame, je suis venue ici à la recherche de la lignée de mon père. Ma racine, le pauvre monsieur Georges Anoussike. Il est mort il y a 15 ans de cela. Quoi? Oui, madame. Attends un peu. Écoute-moi maintenant. Jusqu'à ce que nous allons finir cette conversation. Je ne veux plus jamais écouter ceci. Tu l'as bien compris. Et je ne veux plus qu'une autre bouche s'ouvre pour parler à propos. M'as-tu saisi? Je vous promets, ma royauté, votre majesté. Tu peux nous laisser. Je vais prendre soin de lui. Avec moi. Prince George, tu as entendu ce que Ezemo a dit. Tu ne peux pas changer la culture qui existait, même avant tes aïeux, même avant Anosike Ier. C'est évident que tu ne peux pas être notre roi. On n'a pas le choix que de laisser le trône à une personne capable. Ouais. Ah oui. Pour tout le respect que je vous dois, mes aînés, je ne vais pas accepter un tel raisonnement saugrenu. Ah ouais, mon héritage n'ira jamais à personne. Personne, ça n'arrivera jamais, c'est ça. Écoute-moi, prince Georges Anoussike. Moi, je ne te supplie pas de nous donner ce palais et le trône. La culture te contraint, tu ne seras pas tes propres sujets. La culture, c'est notre culture et tu dois l'obéir. Le trône doit aller à une autre famille. Point final. Ouais, c'est ça notre culture. C'est ce que dit la culture. Lolo. Onowu et Ndubako. Lolo. Je suggère que vous partiez à la maison et laissez que les dieux nous sortent de ce palais. Je ne veux plus de vous. Georges, s'il te plaît, je veux te voir. J'espère que tu as fini avec ces bâtards. Hein? Non, non. Ah. As-tu entendu ça? Hein? As-tu entendu ça? Non, mais non, attends, elle nous insulte comme ça? Mon fils, maintenant j'ai compris la signification de l'âge. Ce que l'homme ne sait pas est dans lui. Tu as raison, mais pourquoi tu dis ça? Exactement. Avant d'y arriver, s'il te plaît, permets-moi de reculer dans ta jeunesse. Y a-t-il une fille que tu avais engrossée, hormis Doris? Georges! Georges! C'est Georges! Ne t'ai-je pas interdit de mettre tes pieds dans cette parcelle? Malgré tous mes avertissements, tu continues de faire. Allez, s'il te plaît! Comment tu peux être si méchant? Comment tu peux rejeter mon ami Monikel? Écoute-moi. Je n'ai pas le temps pour tes bobards. Comme tu peux le voir, je suis occupé. Tiens, tu peux jeter un coup d'œil. Au moins, tu pourras comprendre le degré de ta méchanceté. Quoi? Monika est enceinte? Monika est enceinte de moi? Waouh! Yes! Ouais, quelle bonne nouvelle! Oui, quelle bonne nouvelle! Comment tu peux t'exclamer ainsi, Jeff? Waouh! Comment tu peux être aussi sans cœur?
Monica, moi tu peux comprendre maintenant l'homme avec qui tu vivais. Ton bouc d'homme n'a aucun remords pour ce qu'il t'a fait. Waouh, mon cher amour Monica. Waouh, mes chers et beaux parents seront très contents d'apprendre cela. Waouh, conduis-moi à elle tout de suite. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Je devais te conduire à elle et tant que qui? Tu sais comment la sœur de Monica va se fâcher si elle apprend la nouvelle? Tu t'exclames, tu es étonnée de l'apprendre. Emmène-moi la voir tout de suite. N'importe quoi. C'est une bonne nouvelle, hein? Je n'arrive pas à le supporter. Tu m'as vraiment exposée. Georges, tu as ruiné ma destinée, je te dis franchement. Je ne vois pas pourquoi tu t'en fais pour ça. Je suis le fils unique de mes parents. Tu n'avorteras pas cette grossesse. Sache que mes parents seront contents de t'avoir en tant que leur belle-fille. Alors, je ferai mieux de t'épouser. Et je te le promets, tout ira bien. C'est ce que tu me dis, hein? Tout ira bien, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Chérie, du calme, voyons. Tu ne penses même pas la honte que tu m'as causée, Georges. Tu ne penses même pas la honte. Qu'est-ce que je veux dire à ma soeur? Dis-moi, qu'est-ce que je lui dirai, hein, Georges? Je t'en prie, calme-toi. Je viendrai voir tes parents et aussi voir ta soeur. Et je ferai le nécessaire pour faire de toi ma femme. En tout cas, ce n'est pas du tout raisonnable. Franchement, je te dis, je veux faire l'avortement. Chérie, je t'en prie. Franchement, ne viens plus jamais me chercher. Je te supplie au nom de Dieu. Monica, ne t'en fais pas, on est ensemble. On va s'en sortir. Je te promets. Laisse-moi partir. Monica, non. Non. Monica. Non, laisse-moi. Monica. Laisse-moi, je veux Monica. Partir. Laisse-moi. Monica. Si, dis-moi, y a-t-il un problème? Nous prions pour le progrès. Pourquoi devons-nous chercher le problème? T'inquiète, mon fils. Je veux te parler demain, juste après la réunion avec Ezemo. D'accord. Merci, maman. D'accord. Je ne suis pas surprise de tout ce que tu as vécu avec mon fils. Je veux dire de tout ce qui était arrivé entre toi et mon fils. Mais je ne suis pas convaincue. Je veux que tu puisses me convaincre. S'il te plaît, convainc-moi. Tu sais, chacun peut créer une histoire. Franchement, je ne suis pas encore convaincue. Hein? Convainc-moi. Vas-y. Ma reine, votre fils m'avait donné ceci. C'est tout ce que j'avais eu de lui. C'est ça, ma reine. Il t'avait donné ceci? Donc il t'aimait à ce point? Mais, ma fille, pourquoi avais-tu vendu ton poste à Doris? Dis-moi pourquoi?
Ma reine, Doris était ma meilleure amie. Je l'aimais et la traitais comme ma propre sœur. Lorsque Georges était tombé amoureux d'elle, je n'étais pas vraiment sûre. Hé, Monica! Donc, tu me montais moi et ta grande sœur depuis tous ces temps? De moi! Donc, tu veux dire que tu n'es pas au courant de ça? Oh non, je ne sais pas, je jure. J'ai vu me régler de cela 2 mois passés. Hein? Hé, tu veux dire 2 mois? Tu m'as surprise. Hein? Tu m'as vraiment surprise. Je ne sais quoi faire. Hein? Quand je te faisais remarquer que tu t'es devenue faible, la semaine dernière, tu disais que oh non, je vais bien. Je suis ok, tout va bien. Hein? Tu vois maintenant? Franchement, Doris, je te dis la vérité. Je n'ai pas fait avec quelqu'un d'autre. Juste une fois avec lui. Je te dis la vérité, ma soeur, s'il te plaît. Il t'a touché qu'une seule fois. Pour toi, pour tomber enceinte, il devait te toucher combien de fois? Est-ce que tu t'entends parler? Hein, Monica? Ne sais-tu pas qu'un seul spermatozoïde suffit pour que tu tombes enceinte? Hein? Ne le sais-tu pas? Ma chérie, je suis finie. Hein? S'il te plaît, qu'est-ce que je veux dire à ma sœur? Je suis finie. Que dirais-je à ma famille? Et avec ma sœur, c'est bon. Finie. Hein? Arrête de pleurer. Va à la maison et repose-toi. Ce n'était pas intentionnel, oui. Maintenant, c'est le temps de trouver une solution. Nous devons trouver une piste. Pour l'instant, tu dois rentrer à la maison et te relaxer. Dis-moi, et si je n'étais pas alors partie à l'hôpital pour les examens, qu'est-ce que j'allais faire? Dis-moi un peu. Hey, mon Dieu. T'inquiète, ma chérie, ça va aller. Il y a toujours une solution à chaque problème. Hein? Pour l'instant, tu as besoin d'abord d'aller à la maison. Fais comme si de rien n'était, d'accord? Moi, je vais garder ces résultats jusqu'à ce que nous trouvions ensemble une solution. C'est bon. Doris, merci. Allez, arrête de faire une ronde. S'il te plaît, dès que tu seras à la maison, ne donne pas aux gens l'opportunité de te suspecter. Hein? Il n'y a rien. Sois calme. Je suis avec toi. N'oublie pas de prendre des oreilles. Oh Dieu. Lève-toi. Lève-toi, hein. Prends courage. Ça va aller. Ma chérie, essuie des larmes, s'il te plaît. Regarde-moi cette souris. Tu te crois la plus intelligente. Tu couches avec le même homme que je désire avoir. Ça, c'est une opportunité en or pour moi. Je suis contente que nous soyons tous en vie pour vivre ces jours. J'avais rêvé de ça. Mais ma fille me disait que je devais avoir un traitement de malaria. Donc, c'est toi? Il n'y a pas de problème. Je vois toi, ton fils et moi. Ma fille, t'inquiète. Je reviendrai pour toi, ok? Zine, moi et Oma. Je veux vous revenir. Je dois partir maintenant. Papa? Tous ces gens qui t'appellent ancien à l'église, parce qu'ils ne savent pas jusqu'à quel point tu es méchant. Mansi, que le tonnerre frappe ta gueule-ci. Il y a tes semblables dehors là-bas, qui s'occupent d'eux-mêmes et aussi de leurs parents. Mais toi, tu es si content, mais pas. Content ce que je gagne par jour. Tu es un idiot. Le tonnerre te frappera 100 fois par jour. C'est le nombre de fois que le tonnerre te frappera. Papa, écoute, c'est parce que tu ne joues pas très bien ton rôle de père. Je croyais que tu voulais même vendre l'une de nos terres, au moins pour m'aider ton premier fils.
que l'infanterie militaire d'Enugu vienne se joindre à celle qui est ici pour tirer sur toi et t'envoyer au cimetière. Papa! Papa! Qu'y a-t-il? Ne me dis pas que tu as fait arrêter ces vieux à cause de ce que nous avons discuté. Tu es même en train de sous-estimer la méchanceté de papa. Tu ne les connais pas? Papa, si tu ne veux pas t'attirer la colère des dieux dans ta vie, va faire relâcher ces garçons. Il ne t'a rien fait. Tu n'étais pas comme ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, maintenant vous complotez contre moi. Il n'y a pas de problème. Papa, tu dois m'établir où? Tu veux que je t'établisse? Toi, tu veux que Sévio soit libéré? Oui, c'est ça. Pas de problème. Tu veux être établi. Papa, tu dois m'établir où? Toi, tu veux que Sévio soit libéré. Papa, tu dois faire beaucoup de choses pour te rattraper. Serre-moi. Massi. Massi. Non. Reviens ici. Et je vais t'établir. Toi, reviens ici pour que je libère Sévio. Sévio te sauvera cette fois-ci. Idiot. Vous ne me permettrez pas d'avoir la tranquillité d'esprit. Revenez ici, je vous donnerai la pièce de vos monnaies. Tu veux être établi. Et toi, tu veux la libération de Sévio. Oui, papa. Tu dois le faire. Sévio n'a rien fait. Tu parles encore. Et tu le sais bien. Tu parles encore. Au fait, sors de ma maison. Sors. Va quelque part. Sors de ma maison. Tu me défies, n'est-ce pas? Il est innocent. D'accord. T'inquiète pas. Je sais quoi faire. Reste là, je viendrai avec mon coucoupe. Reste là. Excusez-moi. Ce n'est pas vous l'infirmier qui m'avait traité il y a plusieurs années de cela, à l'école secondaire de Muata. Oh, je ne me rappelle pas. Si, c'est vous. Je m'appelle Georges. J'étais un diplômé en service national. On m'appelait Copa Georges. À l'école secondaire de Muata, certains gangsters m'ont attaqué et vous m'aviez traité. Oh, je me rappelle. Le jeune stagiaire qui s'était fait battu par les hommes à cause d'une fille. Doris. Joyce. Je vous l'ai dit. Hey. Quand je vous ai vu, j'ai dit que... Mais... Est-ce que cela pourrait être la raison pour laquelle tout le monde s'est assemblé aujourd'hui? Bon après-midi. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Comment va Monica? Est-elle à la maison? Non, j'ai frappé à la porte, mais je ne l'ai pas vue. Oh. J'ai oublié, elle m'a dit qu'elle devait se rendre à l'hôpital pour vous chercher. Où est-elle? Non. Elle n'est pas avec je toi. Je ne l'ai pas vue là-bas. Ok, tontine, aide-moi à lui remettre ce résultat. Elle l'a oublié chez moi. Et de quoi il s'agit? C'est le résultat d'un labo médical. Tout est dedans. Monique enceinte? Hey! Cette fille va me tuer! Hey! Ma chère, je t'en prie. Monica! Georges! Georges, voilà! Monica! Qu'est-ce que je vois là? Georges, toutes ces années, tu étais en vie et tu as voulu que moi, ma mère et mon fils, nous puissions souffrir. Ce n'est pas ma faute. C'est quoi? On m'a dit que tu étais morte. C'est vrai. Je ne crois pas. J'avais appris que tu étais mort. Je ne croyais pas que tout ceci pouvait m'arriver. Pas du tout. Oui, c'est comment ça va. L'école? Beaucoup de nos amis te demandent. Waouh, vraiment, vous me manquez. Moi, je m'aime, tu m'as beaucoup manqué. J'attends que tout ceci finisse, comme ça je pourrai reprendre mes études, tu vois.
Comment va Georges? Doris, je t'ai posé une question. Comment va Georges? Monica, je crois que tu es au courant de l'accident qui venait de se passer il n'y a pas longtemps. Oui, je l'avais entendu. Georges était mort dans cet accident quand il venait te localiser. Quoi? Monica... Qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Ne t'agis pas. Georges est mort. Apaise-toi un peu. Doris, dis-moi, Georges est mort. Non, ne me dis pas ça. C'est pas possible. Doris m'avait dit que tu étais morte dans un accident. Tu as décidé de venir ici malgré tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Tu n'es pas la bienvenue ici. Georges, est-ce que tu peux arrêter avec tout ce que tu fais, s'il te plaît? Le pire est déjà arrivé. Que Dieu me console. Le pire est déjà arrivé. Le pire est arrivé. Quel est ce pire qui est arrivé? Monica, mon amie, est morte dans un accident. Quoi? Je viens juste à peine d'être informée de sa mort. Je suis tellement choquée. Monica est morte. Non! Comme c'est triste. Non! C'est très choquant, Georges. Essaye juste de te saisir. Tu es un homme. Non! Encourage. Sois fort. Non, je suis celui qui doit payer le prix. Incroyable, mon Dieu. Pas elle. Pas non plus ce bébé innocent qu'elle portait. Non! Georges. Je veux ma Monica. Je veux ma Monica. Je veux ma Monica. Georges. Non! Mais tu me fais mal. Non! Doris est vraiment une sorcière. Quelle méchanceté! Grande sœur? Grande sœur? Grande sœur, c'est quoi le problème? Pourquoi tu as des larmes aux yeux? Quand tu parles, moi, non? Quelqu'un t'a battu? Grande sœur. Grande sœur. Où vas-tu? Il s'est fait déjà tard. Viens dormir. Grande sœur. Hey. Grande sœur, je suis en retard pour l'école. Oh. Grande sœur. Grande sœur. Est-ce que tout va bien? Ne vas-tu pas travailler aujourd'hui? Mais toi, j'ai à te parler. Monica, oui? Je te considère comme ma sœur, voire même comme ma fille. Est-ce que je t'ai déjà fait du mal? Monica, est-ce que tu m'as déjà demandé quelque chose et que je te l'ai refusé? Attends, grande sœur, t'ai-je offensée? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Monica, oui? Je t'ai toujours demandé d'être très prudente avec les hommes. Monica, tu es allée t'offrir facilement aux hommes. Regarde les conséquences maintenant. Elle vit en toi.
Je suis désolée, grande sœur. Je ne savais pas que tout ceci pouvait m'arriver, s'il te plaît. Je suis désolée. Tu es désolée. Monica, tu viens dire que tu es désolée. Je ne t'agis pas pour moi. Ne me touche pas. Monica, réalises-tu l'écart d'âge qui existe entre ma naissance et la tienne? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Si tu le savais, tu allais réaliser combien je me suis sacrifiée pour me rassurer que les souhaits de nos parents puissent se réaliser. Je suis désolée. J'ai sacrifié ma joie, Monica. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas. Pourquoi as-tu décidé de ramener la honte dans ta vie? Dans la mienne. Je suis désolée. Ainsi que toute notre famille. Pardonne-moi, grande sœur, je suis désolée. Monica, tu n'as pas pensé à cette vieille femme. Et à cette personne que nous avons. Grande sœur, pardonne-moi. Juste cette pauvre vieille femme. Ne me touche pas. Grande sœur, pardonne-moi. N'ose pas. Grosse, s'il te plaît, je suis désolée. Grosse, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, je suis désolée. Monica, sors de chez moi. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Va-t'en. Va-t'en, Monica. On y va. Partons, on y va. Sors de chez moi. Ne remets plus jamais tes pieds chez moi. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus. Désolée, quoi. J'ai pas besoin des excuses. Va-t'en. Sors. S'il te plaît, grand sœur, je suis désolée. S'il te plaît. Tu es encore revenu? Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, on y va. Prends tes affaires, va-t'en. Va-t'en, ne t'agenouille pas, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, lève-toi. S'il te plaît, désolé, s'il te plaît. Rentre dans la forêt d'où tu proviens, rentre. Monica, je t'ai dit, tu es un animal, tu n'es pas un être humain. Rentre dans la forêt. Rentre dans la forêt. Va-t'en de chez moi, sors de chez moi. Debout, lève-toi, lève-toi, on y va. Sors de chez moi, je ne veux plus jamais poser mes yeux sur toi. Pars. C'est parce que je suis gentille avec toi. Je te ferai vomir cet enfant par la bouche si tu restes là. Idiote. Grand-sœur, il dit, s'il te plaît, ne m'appelle pas, va-t'en. S'il te plaît, grand-sœur, désolé. Je ne pouvais jamais imaginer ce jour. C'est bon. Et mon fils? Ton fils? Il est à la station de la police. Excuse-moi. Cellule de la police. Pourquoi? Il y a un monsieur dans un village qui a juré que moi et ma mère ne serions jamais en paix. Juste parce que j'avais refusé d'être sa deuxième femme. Qui est cet homme stupide? Qui est-il? Amadi. Amadio. Il a emprisonné mon fils. On reviendra sur ça après. Allons au commissariat. S'il vous plaît, allons-y, allons-y. Est-ce que vous connaissez bien chez lui? Bien sûr. D'accord, allons-y. Levez-vous. Partons là-bas. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y, levez-vous. Je suis sérieuse. Es-tu vraiment sûre que tout ce que tu m'as dit est vrai? Hein? Massi, regarde bien mon visage. Ai-je l'air d'une personne qui ment? Je ne veux pas de problème avec papa. Oh. Ça veut dire que papa a frappé la mère qui les nourrit? C'est exactement ce que signifient les actions de papa. Hein? Papa, bienvenue. Papa? Papa?
Papa, tu vois, étant premier fils de cette famille, maintenant que tu as offensé ton chef, je pense qu'il est temps que tu écrives ton testament. Hein? Comme ça, je pourrais avoir la part de bien qui me revient. Mon héritage, disons. Massi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu es toujours insolent envers ton père? Hein, c'est quoi ça? Maman, laisse-moi lui parler. Oh. Laisse-moi parler à papa. Parfois, hein, il n'y a pas que les jeunes qui ont besoin de conseils. Quelquefois, même les vieux ont besoin de conseils. Hein? J'ai dit à papa de me donner l'argent de Minerva. Il a refusé. Ok, donne-moi un peu d'argent. Papa a refusé. Même l'argent pour que je débute un business. Papa a refusé. Et maintenant, regarde ce qu'il a causé à cette famille. Il a amené beaucoup de honte dans cette famille. Papa, tu me donneras cet argent. Oh. Tu me donneras ma part. Je suis ton fils. Amadi. Laisse-moi lui parler. Amadi. Il va me donner cet argent. Il va me donner ma part. Amadi, mes cagnons. Mais papa, où est-ce que tu vas? Tu vas me donner mon argent. Amadi. Donne-moi ma part. Oh. Donne-moi ma part. Ne sois pas un déserteur. Amadi, tu refuses d'investir dans la fille de ton propre fils. Donc, je ne peux plus parler. Amadi, ne parle plus. Amadi. Amadi. Dieu va te juger. Papa, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu sors? Je croyais que tu avais déjà conclu le partage de tes biens, papa. Papa. Papa, cette affaire devait déjà être à la conclusion. Le partage des biens. Je ne fais qu'attendre. Hein? Papa, est-ce que tu sors? Papa, tu ferais mieux d'en finir, oh. Tu dois me donner ma part, oh, dans tous tes biens. Ah, cet homme ne fait que sortir comme ça sans rien dire. Que vais-je faire? Papa, tu ne vas pas t'en tirer si facilement, oh! Papa! Tu es le bienvenu. Merci, monsieur. Non, ça va. Merci, monsieur. Ouais. Sois à l'aise, hein. Assieds-toi. Sois le bienvenu au palais. Monsieur, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous aviez fait pour moi. En tout cas, ça m'a vraiment touché. Merci, monsieur. Ça va. C'est moi qui devrais te remercier. J'ai vraiment apprécié. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Personne ne peut préparer un gibier quand il n'y a pas de sel ni du piment dans sa soupe. Même sans évoquer quoi que ce soit de notre tradition. Tout le monde peut voir que le garçon est vraiment fils de ce royaume. Georges, de ce fait, je te confirme d'être qualifié comme l'héritier apparent du trône. Les prochains rois, Ezigo de notre communauté. Ezemo, attends d'abord, s'il te plaît. Ezemo, nous aurions tous tort de négliger notre moyen traditionnel de choisir et de sélectionner notre roi. Quand ça touche des questions pertinentes et sensibles, ne faisons pas d'erreurs qui nous conduiraient dans des problèmes. Calme-toi, Ezemo.
Suivons la tradition, nous ne précipitons pas. Ezemo, je suis d'avis avec Ono sur ce qu'il vient de dire. Depuis que notre cher Igwe est mort suite à une attaque, les dieux restent sages. Les dieux ne doivent pas être déçus. Ezemo, suivons la tradition. Je crois à mon esprit, mais je ne mettrai pas fin à votre peur. Georges, où est le garçon en question? Va l'appeler. Tout de suite, Majesté. Avance. Prends ça. Et dis au Dieu qui tu es. Mais sache que toute fausse information provoquera la colère de Dieu sur toi et sur ta famille. Mon nom est Sevio. J'hésiterai en effet. Ma mère m'a dit que M. George, ici présent, qu'elle avait présumé mort d'après elle et mon père biologique. Et je crois fermement que je connaîtrai mes racines. Maintenant que nous l'avons tous confirmé, pouvons-nous nous lever et saluer l'héritier du trône? Les dieux ont approuvé la position de Georges et il devra accéder au trône comme roi. Igwe. Dis-moi, non? Hein? Eh, tu vois, nous sommes couronnés, oh, je t'avais dit. Tu vois maintenant? Attends. Ouais! Je t'avais dit que nous deviendrons roi et reine. Tu vois maintenant, nous sommes couronnés. Hein? Tu vois mon maquillage? Je suis très belle. Je suis là prête pour toi, oh. Je sais pas pourquoi est-ce que je m'avais laissée toute seule. Tu vois? Alors, emmène-moi la couronne. Viens, dépêche-toi, mets la couronne, non? Je vais la porter. Hé, mais j'attends ma couronne, non? Hein? Attends. Viens. On m'a dit que tu as mis ma couronne. C'est ma couronne que tu as mis. Hey! Tu vas mourir comme un étime. Hein, dis-moi. Tu vas mourir. Donne-moi ma couronne. Vite. Hein? Oh. Ok. Chef des servantes. Ok, j'ai compris. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Mais viens, donne-moi ma couronne. C'est quoi ça avec toi? Oh, rien. Laissez-moi. Fais la sortie. Qu'est-ce qu'il vous prend? Allez, si. Laissez-moi. Emmène-la. Emmène-la. Viens, bouge.
On y va, avance. Vous n'avez pas mon pied. On y va. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Allez. Lève-toi, lève-toi. C'est bon. Allez, lève-toi. Sortez-moi si vous saurez. Sors. Vous ne saurez pas. Sors d'ici. Laissez-moi. Laissez-moi. Oh, oh. Madame. Je refuse. Allez, avance. Ouais, bouge. Laissez-moi. On y va. Avance. Vous voyez ce que vous me cherchez. Igwe. 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 Hey. Laissez-moi. Être très méchante. Comment? Elle nous a tous déçus. Moi y compris, la reine. Elle a même corrompu le docteur pour qu'il nous dise qu'elle est enceinte de mon fils. Elle s'est même permis de jurer devant le Dieu que mon fils Georges est responsable de sa grossesse. Maintenant, les dieux l'ont rendue folle. Elle est amie. Tu passes au biguin à tout.
Tu passes.